Alors, je vous montre vite fait. Bon, alors attendez. Attendez, je me suis trompé de scène. Voilà, c'est bon. Ici, bienvenue chez Dale and Dawson. Fourniture de bureau, comment jouer? Welcome to Dale and Dawson. Et là, c'est en anglais, d'accord. On a les slackers, les spécialistes, les managers, les nanani, les nanana. Jouer le tutoriel. On va aller jouer le tutoriel, on va aller voir tout ça. Il faut que je fasse le tuto et ensuite je rejoins les collègues. Alors, est-ce que... Oh, déjà, on n'a pas besoin de changer le truc, ça c'est magnifique. Bienvenue, bonjour, c'est Daniel Dawson, je suis Richard Dawson, le PDG. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre équipe. Laissez-moi vous faire une petite visite et vous montrer comment tout fonctionne ici. Ok. Ok, je te suis. Ok. Tu peux être un feignant, slacker, enfin, un spécialiste, un feignant ou un manager, ok. Slackers, well, they like to have a bit of fun at the expense of productivity. The manager oversees everything and can call meetings if they suspect someone is slacking off. Ok, pas mal. This is a standard workstation. As a specialist, you'll receive tasks that might include faxing documents, refilling toilet paper, or organizing file cabinets. These tasks are crucial for our office operations. You'll receive free tasks at the time. Peut-être que ces caissiers et poubelles seront de retour ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Là, j'écoute ce que me dit le PNJ. Ok. Now on the left of your screen, you can see a new task. Ouais, une task, ok. In the corridor. You can see the filing cabinet in front of you. And you can see on your map by holding tab that you are indeed in the corridor. Okay. So now, try to complete the task. Donc là, ce que je dois faire, c'est... Ah bah, j'ai pas vu. C'est organiser un classeur dans le couloir. Bah ça, c'est quoi? C'est un classeur, ça? On peut pas le prendre? Comment ça marche? On a des boutons, on a des trucs, non? Ok, je suis dans le corridor. Ah, tiroir, pardon. Ok, c'était ici. Si je reste appuyé, organiser. C'est bon, j'ai organisé. Ça n'a pas marché? Ok, c'est tous les trucs, ok. Ok. Ouais, on retrouve à mettre une agrafeuse dans la gelée. En gros, quand t'es un feignant, tu essayes de foutre le bordel au bureau, quoi. J'en connais très bien dans le chat qui font la même chose. Faites pas les gars avec moi. Ok, et donc on fait des conneries. Je crois qu'on doit mettre des virus sur les PC et tout. Talking about the manager, this is their office. The manager gets one task at a time, but they have the crucial role of keeping an eye on everyone else. If the manager suspects someone is slacking, they can call a meeting and potentially fire the slacker. Specialists can also sometimes receive slacker tasks, so be careful with your activities. Quand t'es spécialiste, c'est le rôle de base, mais tu peux avoir aussi des trucs de feignant. Putain, c'est une dinguerie d'avoir ça. You can see on the name sign that this is, in fact, your desk. That means you are the manager in this office. That reminds me. I forgot to show you what it looks like when you receive your role. Here you go. Merci, montre-moi. Vous êtes le manager! Vous avez été assigné au rôle de manager, sublime. Now, let's try doing one more specialist task. In this task... Ça va refaire ma journée de travail un peu. Bah écoute, Ashtaka, mets-toi à l'aise. Hein. Put it on the bulletin board. The documents will always be automatically placed on your desktop. So just use your computer. Open the document on your desktop and then print it. Ok, pardon, je suis en train de mettre le chat à côté en attendant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Maintenant, essayons de faire un message. Vous devez imprimer un document depuis votre ordinateur, puis l'afficher sur le tableau d'affichage. Les documents seront toujours automatiquement placés sur votre bureau. Il vous suffit donc d'utiliser votre ordinateur, d'ouvrir le document sur votre bureau, puis de l'imprimer. Donc là, regardez, c'est moi, c'est Jiraya, c'est moi. C'est sublime. Regardez qui c'est marqué. Oh là là, World Best Boss. Donc, je vais utiliser mon ordinateur. Là, ils veulent qu'on imprime un truc, c'est ça? Les documents seront toujours... Ok.
donc utiliser l'ordinateur. Imprimer un document. Donc comment j'imprime ça? Utiliser l'ordinateur, utiliser le téléphone, donc l'ordinateur. Sortir, arrêter d'utiliser l'ordinateur. Attends, mais si j'utilise l'ordinateur, c'est comme un vrai ordi? Genre je clique sur les trucs? Ah ouais, putain, c'est énorme! Regardez, ça prend ma souris, mais c'est incroyable! La vache. Imprimer un document depuis l'ordinateur. Alors, je crois que j'imagine je prends ça et je le print. Oh là là, hey, les gars, j'ai voyagé un petit peu. Quelle belle ambiance. Hop. Imprimer sales report. Merde. Sales report, j'imprime. C'était celui-là. Hein. J'ai pas imprimé le bon. Ok. Ça me fume le bruit quand tu marches clic clic cloc clac clic cloc cloc. This is the copier room. Here you can find different supplies you might need, as well as printing, faxing, and shredding documents. Yeah. Now let's collect your document and go to the bulletin board. Great. Let's go. Je vais faire signer le document à Jiraya. C'est le patron, les gars. Here it is. Now pin your document so that we can move on. Et comment je fais pour l'épingler? Ok, j'ai signé. Épingler votre document. Comment je l'épingle? Épingler, c'est... Ah, c'est là, pardon, excusez-moi. Épingler. J'ai pas vu ça. Perfect. After all this hard work, I think you deserve a cup of coffee. Go to your office and grab your mug. Hold the F key and choose the option to grab your mug. Nice. Let's hit. On your right, you have the toilet. Slackers tend to spend a lot of time there. Here you have the elevator that will take you to the warehouse. Ah, c'est vraiment grand, c'est vraiment la folie. J'ai très hâte de travailler ici. Here, drinking coffee or grabbing a snack from the vending machine. It's a great place to take a break, but don't get caught by the manager. Bah, j'ai le droit quand même de faire une pause, non? Le manager, il va te casser la gueule si tu bois un coup. Go ahead and fill your mug and drink it. Great. Don't get too used to drinking coffee. C'est une folie de nous pisser dessus comme ça. Let's head back to the conference room. Bon alors, attendez. Je les ai rejoints sur le Discord. Je vais voir s'ils sont prêts. Ils sont là. Ah, et Gigi avec sa serviette. Salutations. Oh, voilà. Oh, il est là. Oh, le Comme... Il a l'heure. Et puis il a l'heure. Toujours. Toujours debout. On a douté. Ah bah non, on m'a dit 21. Mais je suis en plein tuto, c'est pour ça. J'étais là depuis longtemps. Mais bon, bref. Vas-y, c'est pas grave, tranquille. Ouais, mais tu veux bien faire les choses et ça, j'apprécie. Bah ça. Bien sûr, évidemment, avant toute chose. Écoutez, je passe un moment fabuleux. Je viens de boire mon café. Je pense que le tuto n'est plus très long, hein, j'imagine. Mais c'est parfait. Non, mais en vrai, le tuto il est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de. D'infos, ça ouais. Peut être peut-être un peu de technique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Lolo, reteste. Mais tu peux, pas le tu peux le refaire? Le tuto? Parce que je crois que je peux pas le refaire en fait. Hein. Je crois que tu peux le refaire, ouais, ouais. Moi, je quitte le tuto, ouais, vas-y, ouais. Je te rejoins direct. Hein. Tu vas trouver. Non, non, c'est un game show. Refaire, hein. Ah non, c'est bon. Tu vas gérer. Il est où le saccor là? Il m'a dit qu'il venait pas, je crois. Ah ouais, moi aussi, il m'a dit pareil. C'est vrai qu'il est. Au début, on a tous galéré à ouvrir les portes, ou il y a que moi en vrai? Ah, mais j'ai non, pareil. Quand j'ai compris qu'il fallait mettre un coup de tête dans la porte. C'est vraiment au moment où tu dis ça, je t'en demande, mais comment je sors? Et je vais pousser la porte comme un golemon. Ouais, frère, c'est une horreur. Ouais, vraiment. Bah écoute, c'est la réalité. La réalité des choses. A contrario, on peut bloquer les portes aussi, hein, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, les verrouiller, on peut toquer. Ouais, verrouiller, ouais. Les verrouiller, ouais. Et pas avec la tête, du coup, cette fois-ci. On peut tout faire. Non, non, non. Le sang des possibles est quasi infini, quoi. Il y a deux trucs, quoi. J'ai très hâte de voir un Chelsea manager, là. Oh là 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 là. Eh, d'ailleurs, t'as joué au truc de Quidditch, là, Gigi, j'ai vu? Ouais, j'ai joué tout à l'heure, là. T'es bien ou pas? En gros, je pense qu'il y a du potentiel. Non, mais en fait, tant que tu peux pas jouer en 6v6, je pense que c'est pas trop intéressant. Et le jeu peut pas valoir 30 balles,
devrait être gratuit en vrai. Ils ont sorti un jeu Quidditch. Ouais, de Quidditch, oui, mais tu sais, c'est un peu. Ce sera full plateforme et tout, donc les graphismes, c'est un peu spécial, tu vois, c'est un parti pris un peu bizarre, mais le jeu est pas mauvais, juste, je pense qu'il devrait être free to play, quoi, il devrait pas coûter 30 balles. Ah ouais, c'est quand même 30 balles. Ouais, t'as un DLC de Hogwarts, quoi. Non, même pas, parce que c'est même pas le moteur d'Hogwarts et tout, c'est vraiment, ça a rien à voir, quoi. Ah, on joue une PA ou pas ? Toi, tu peux faire le tuto, c'est moche, mais. C'est moche, mais. Et tout, comme ça. Comme ça, c'est parfait. Il fait quoi, le Xav, là ? Et non, le jeu n'est pas gratuit sur PlayStation, comme les gens ont tendance à le dire. Si il est gratuit, si vous avez le PlayStation Plus, c'est comme si on disait, oh, vous avez vu, il y a ce film qui est gratuit sur Netflix, bah tu payes ton abonnement, donc. Tout à fait normal, mon pote. Et toi, ça, ce genre de fausses infos, tu vois. Les fake news, pas chez moi. Non, attends. Le coup près, il tombe direct, quoi. Ça a tendance à me faire bouillir, ça, je te le dis de suite. Il s'appelle comment, le jeu ? Il s'appelle Champion du monde de Quidditch, je crois. Ouais. C'est pas mauvais, mais ça mérite pas mal de mises à jour, je pense. Je pense que tu fais 2 heures dessus, c'est pas mal. Ouais. Oh, bon, je me suis pas fait chier. Là, tu n'aimes pas le jeu, quoi. Bah écoute, après 17 heures de jeu dessus, je veux t'avouer que. La review Steam. Pas évident, bah là, je vais monter Tchal. Hein. Toi, je dois. Waouh, ramasser disquette avec tes sacs qui arrive. Là, les gars, on va pouvoir partir. Salut, le sac. Le sac, carrément. Le sac. Salut, la team. Ça va quoi ? Le sac. Yo, le sac. Le gros sac. Qu'est-ce qu'il nous dit, le sac, là ? Écoute, ça va, j'avoue que je m'attendais à ce que ce soit demain soir, mais tranquille, on est là. Hein. Non, c'est beau que ça. En fait, je me suis réveillé, il m'a dit, bah écoute, t'es chaud pour demain soir, donc moi, je lui ai dit le message ce matin. Je me dis, bah demain soir, c'est mercredi soir, quoi. T'as envoyé ça, il fait un peu, parce que je t'ai envoyé un message à 2h du mat, en disant, ouais, demain, mais je comprends qu'au moment du réveil... Non, le sac. Putain, le sac, hein. Big S, man. Sass. Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Qu'est-ce qu'il raconte, Vas-y, bah, je vous ai invité les frères, hein, si vous voulez. De toute façon, je pense qu'on va se faire une game un peu de chauffe, comme on est tous en découverte. Oui. Ouais. Vous avez tous fait le tuto et tout, là ? Ça a l'air marrant, le jeu. Hein. Ouais, ça a coulé en bronze, ici. Ça a coulé en bronze, moi, ça a juste bu un petit café. J'ai pas eu ça dans le tuto, moi. Non, moi non plus. Je sais qu'il y a les toilettes, je suis en train d'infecter un ordi, là, personnellement, après, chacun ça. Mais t'arrêtes jamais, toi. Ouais. Je lâche pas. Tu t'es infecté le tien ou pas, comme il est devant le tuto ? Ouais, c'est exactement ça. Ok, ouais. Ah putain, mais il y a ma grosse tête en manager, ok. Là, on est sur Discord, mais ça va être in-game, hein, le son. Mais non. Ouais. Oui. C'est l'intérêt. Non, mais c'est. En plus, on s'éloigne, moins on s'entend et tout. Ah ouais, ça doit être stylé. Ouais. C'est pas mal. J'ai cru que c'était ironique. Ouais, non. Ah, t'as mis du temps à répondre. Tu me vois, comme un méchant comme ça. Ouais, c'est. C'était vraiment une super idée, là, mec. Ah ouais, bah merci, PA, en tout cas. Non, je te promets de. Ça me rappelle les proxys de. Comment ça s'appelle ? De Minecraft à l'époque et tout. C'était la belle époque. Ah non, mais ça c'est. Mais vous foutez quoi, pardon, Xari Le truc c'est que moi en fait je suis dans le tuto, mais ils disent de rien faire. Comment c'est de rien faire ? En fait je suis dans le tuto et vous n'avez pas de tâche et j'attends. Mais va parler à Charles là. Moi j'accepte. Faut que t'ailles parler au mec là. Tu dois faire quoi là ? Ouais, mais le mec a littéralement disparu du truc. Attends, en fait. C'est barré, frère. Faut que tu le suives, mec. Ok, je vais le déverrouiller. Je dois déverrouiller mon ordi, les amis. 2 secondes. Oh là là, allez, putain. Et comment je unlock manager? Parce qu'après, je sais pas, ça va être quoi. Non, mais ramenez-vous, hein. N'hésitez pas comme ça, je pense. Mais ça, vas-y, j'arrive. T'as mis où les infos? Je pense ça va, le tuto il est pas trop galère. Bah, invite-moi. Non, je pense ça va aller. Bah en fait quand je clique sur ton invitation ça marche pas moi, ça me fait rien. Ah merde. Bah c'est peut-être parce que mon tuto est pas terminé, non? C'est pas ça? Non je pense pas, je pense ouais, fais quitter le jeu, ça te remet. Ah je vais faire quitter le jeu, ok ça marche, pas d'embrouille. Ah super. Ah ça doit marcher là, je pense. Ah je clique. Oui. Voilà. Gigi Twix. Du coup, là les gars, va y avoir donc 4 spécialistes, donc des PNJ, 2 fainéants et un manager. Le manager, on sait tous lequel c'est. Le but en effet, c'est que les fainéants se fassent pas cramer en train de faire leurs tâches. Justement, 2 fainéants, et je crois que c'est les tâches qui sont déjà qui vous sont données. Mais en plus, le type de tâche, tu sais, il est dans la zone de réunion là, où il y a les tâches entre guillemets des gentils et les tâches des fainéants. Mais on m'a dit, il peut y avoir par exemple les spécialistes qui ont une tâche vraiment de faire une pause et tout, tu vois. Ouais, genre tu peux avoir des tâches de méchant techniquement, alors que t'es gentil, voilà. Ouais. Sinon, en effet, c'est trop facile. Bah vas-y, mais du coup, on se mute et on va dans le jeu. Bah, je crois bien, c'est super. Allez, on n'a pas le choix, À tout de suite, les gars. C'est à toi. À tout de suite.
Alors, je sais pas comment ça va marcher, les gars, mais on va se parler. Je me mets prêt. Et puis let's go. Il manque plus que Shounds. Et on est bien. Shounzi, faut que tu mettes prêt. Magnifique. Merci de l'avoir dit. C'était sûr. Je suis fatigué, des excuses interminables. Ah, okay, donc ça, c'est le début. Oh là, on s'entend tout, c'est fou. Ah, on s'entend, en fait. C'est incroyable, une game en fait. C'est une game, les gars. Ah, oh, j'ai mon rôle, superbe. Oh, salut les gars. Oh, Lohan, je te jure que t'as la tête à Xari, fais voir, regarde-moi. Lolo. Oh, Lolo. C'est moi. Lohan, tu nous entends ou pas, Lohan? Bonjour monsieur Zach. Mais Lohan, il a une calvasse. Lohan, il a une calvasse d'enculé. Attends, mais Xari, reviens là. C'est une dinguerie, les gars. Quoi? Pourquoi t'es assistant? Je t'ai mis assistant pour s'aimer la concu. Attends, mais pourquoi il est assistant? C'est quoi ce délire? Est-ce qu'on peut sucer? C'est dinguerie de faire ça. Allez, au boulot les cons là. Ah, on m'entend pas sur le jeu. Attendez, montez son des gens in-game si tu peux. Je te claque le cul. Attends. Quand je suis assistant, j'ai des tâches beaucoup plus. Tu me disais, c'est bizarre, personne me répond. Il me déteste. Volume principal, je vais monter un peu. Alors, je vais mettre comme ça. Mode de discussion vocale toujours activé par défaut. Microphone. Ah. Que faites-vous? Tu m'entends ou pas là? Oui, je t'entends. Ah, bah en fait, je parlais dans le vide. Oh putain, ça bug. Fais, va travailler. Vous entendez Lohan ou pas vous? C'est bugué, les gars. J'entends pas Lohan. Allo. Il est là. Ah, c'est bon, je t'entends. Ah oui, vous êtes. C'est bugged. Ah putain, fais chier. Ah bon moment, encore une fois. Au boulot. Attendez, je vais réessayer avec le. Oh, ça m'a tout décalé, c'est quoi ce bordel? Ok, très bien. Ok, parfait. Bah, continuez comme ça. J'en peux plus, les gars. À chaque fois, c'est pareil. Ça va? Monsieur l'assistant, là, vous avez bien fait vos tâches? Le problème, c'est en fait, je crois que Twix m'a. Comment ça? Twix, rends le papier! Twix! Je peux pas ouvrir le jeu en vrai. Pourquoi je peux pas ouvrir le jeu? J'irai, c'est un feignant sans qu'il le veuille. Je vais essayer comme ça pour voir. Mais je sais pas pourquoi en fait le jeu ne s'ouvre plus chez moi. Je suis obligé de quitter. Qu'est-ce que t'as, Gigi? Vous m'entendez ou pas in-game là? Ah bah totalement en fait. Ok, bah en fait le jeu chez moi ne s'ouvre pas. Je peux pas ouvrir le jeu, je comprends pas pourquoi. Dès que. En gros, vous m'entendiez pas parce que c'était pas sur le bon microphone. J'ai mis le bon microphone et depuis le jeu ne s'ouvre plus, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'il me fait. Ah les gars, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais devoir faire ça. Hop. Je vais devoir quit et je vais devoir réessayer. Par contre, ça m'a tout bousillé le PC là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Là, j'ai mon bureau, il a pété un plomb gros. Alors attends, tac. Bah je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Où est le jeu? Je ne sais pas. Je vais rouvrir Steam. Jouer au jeu. Et il me met le. Là, les gars, il me met le jeu, mais ça n'a aucun sens. Alors, je vais essayer de me battre tranquillement. Ça a l'air d'être bon. Waouh, les gars, mais ça me pète les couilles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que je peux le rouvrir? Bah, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je vais réessayer en ouvrant d'autres trucs. Bougez pas. Tac. Tac, je vais remettre ça.
On lance le soft Elgato. Ça a aucun rapport avec Elgato. Je sais pas pourquoi vous me parlez d'Elgato. Pourquoi Elgato? C'est quoi le rapport avec Elgato? C'est le jeu là, c'est pas le. C'est pas. C'est aucun rapport avec Elgato. Avec les gâteaux, peut-être vous parlez à la limite. Ouais, mon bureau a été tout dégagé là, comme ça, je sais pas pourquoi. Vas-y, je vais essayer de lancer. Waouh, mais ça fait exploser mon PC, genre ça me change tous mes écrans et tout. C'est trop bizarre. Mais c'est quoi ce bordel? Je ne peux pas lancer le jeu. Il se lance sur mon autre écran. Et maintenant, il se lance sur l'écran ici, sur mon écran à gauche. Il n'y a rien qui peut se lancer dessus. Donc, il y a un petit problème. Alors, attendez, je vais aller voir. On ne bougeait pas. Vas-y, j'enlève ça. Je vais aller voir dans les paramètres d'affichage. S'il n'y a pas un petit bug. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'autres écrans en écran principal. Vas-y. Ok. Voilà, on va faire comme ça. Là, je fais ça. Que je fais ça. Et que j'envoie Dale, machin. Est-ce qu'il me le lance cette fois-ci ou pas? Là, j'ai un vrai problème. Alors là, il me lance le jeu. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas comment changer le jeu d'écran. Il me le fout là sur cet écran là, mais pourquoi? Sans bordure. Ok, fenêtré, je vais le mettre en. Je vais en mettre sans bordure. Ça a l'air d'être bon. Ah, DSL, les gars, je me bats contre le jeu, quoi. Ensuite, paramètres d'affichage, je vais repasser ça en écran principal. S'il le veut bien. Si je vais refermer, je vais ouvrir ça. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ok. Putain, quel enfer, hein, quel cauchemar. Hein, le cauchemar. Hein. Je ne sais pas par rapport à... Dès que j'ai changé le son, ça, je pouvais plus relancer le jeu, mais ça venait du jeu même après. Et là, ça a changé mon bureau et tout. C'est trop bizarre. Ah, je suis dans le divertissement. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, je suis là pour régaler, les gars. Non, a priori, ça devrait être bon, là, je pense. Ah, mais chier. Par contre, je ne sais pas si je peux rejoindre le salon de PA, je vais les laisser finir. Bizarre. Hop. Bah, un beau début de live, encore une fois, du divertissement, de la régalade. C'est très très bon ce que je peux proposer. Nickel. Bon, bah écoutez, j'ai juste ça, le Discord, je vais le remettre là. Et je vais leur dire... Hop. Ouais, désolé les gars, c'est bon, j'ai dû quitter, le jeu voulait plus se lancer, voilà, je vous préviens juste. Donc c'est très bien. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que si je vous fais ça maintenant, vous voyez ou pas? Ça a l'air d'être bon. Ouais, Domingo, ça a l'air d'être ok tiers. Si je fais rejoindre un salon, navigateur, LAN. Ah ouais, carrément, hein. Paramètres, tac, j'ai mis en sans bordure, normalement, je dis bien normalement, tout devrait être bon. Lobby de fou, bah écoutez, ouais c'est bon pour vous, bah magnifique, bah je vais les laisser s'amuser un peu, hein, puis je jouerai plus tard quoi. Je pense que là il doit être en pure régalade, moi je suis plus dans la game donc... Je vais les laisser s'amuser un petit peu et puis voilà. Moi, je vais quand même leur répéter, hein, sur le Discord au cas où. Je vous le redis quand même ici au cas où, mais je ne suis pas dans la game, hein, si jamais. Amusez-vous bien.
Voilà. je leur ai donné un petit peu les infos, quoi. Si jamais ils s'amusent un peu comme des fous, je leur dis juste, hein, que moi, personnellement, je ne suis pas dans la game. Donc bon, je les laisse s'amuser. Je peux comprendre qu'ils prennent un vrai plaisir. Je trouve que ton son du jeu est bas. Regarde ton mélangeur de son. C'est moi qui l'ai baissé, le son du jeu, exprès. Moi, je peux vous le monter un petit peu si vous voulez, mais c'est juste qu'au début, tu sais, quand tu lances un jeu pour la première fois, c'est toujours la même chose. Il est super fort. Là, je l'ai baissé. Il est où? Il est là, je l'ai mis à 6. Si vous voulez que je vous le monte un peu, je monte à 15. Voilà. Mais c'était trop trop fort en début. Bah peut-être une petite game tuto, ça peut être très cool. Attends, je vais quand même le mettre dans le chat de PA. Si jamais je suis plus dans la game depuis le début. Hein. Voilà, je vais prévenir PA quand même. Hein. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Je leur dis, hein, voilà. Je préviens un peu sur le chat, peut-être de. Mais on a un souci sur. Je leur dis quand même, on sait jamais si j'ai le droit de partager un peu de bonheur avec eux. Je leur redis, hein. Je leur redis, voilà. Si. belle POV, hein, de mon côté. Voilà, je. Oh putain. Oh putain, ça me flingue. De mon côté. Ah, DSL les gars, mais bon. J'étais pas là, quoi. Je me suis fait baiser par le game. Je suis en just chatting. C'était super. Au BJJ. Oh, mais quel moment fou, hein. J'espère que vous êtes bien amusés. Bah, moi, je regardais un peu tout cette POV. Ouais, allô, ça a crash. C'était super. Ben, non, ben en gros, c'est tellement le bordel. En gros, au début, je parlais, et en fait, je me rends compte que personne m'écoute. Donc, je suis en mode, bah, soit tout le monde me déteste, soit il y a un problème. Ah, mais on t'entendait. Mais on t'entendait, nous, dans le jeu, mec. Non, au tout début, vous m'entendiez pas. Ah, au tout début, peut-être pas, non. Du coup, j'ai changé mon micro. Là, vous m'entendiez, et au moment où j'ai changé mon micro, le jeu ne se relançait plus sur mon PC. C'était une puissance. Ah, oui. Et du coup, il était en bug. J'ai dû fermer le jeu. Tu m'as volé mon papier en plus. Je suis DSL, les gars. Je suis vraiment DSL. Je sais plus rien, quoi. Quoi, là c'est bon pour Romain, GG. Là tout marche, aucun souci, machin. Ah, quand je parle, on m'entend, okay, mais je suis vraiment DSL. Mais GG pour les POV, hein, je regarde un peu tout le monde. Ah, pas de souci, on a bien trahi. Mais après, une fois que t'es dans le truc, c'est vrai qu'avec le chat, machin et tout, t'es en mode. Ouais, par contre, quand t'es manager, c'est trop dur. C'est trop dur, hein. Je me disais, PA, y'a pas une autre map que toi? Parce que là, tu vois, genre description, genre The. C'est énorme, hein. Ouais, c'est grand, hein, de malade. Hein. Non, mais en fait, tu peux envoyer l'invite ou pas, PA? C'est la plus petite. Hein. En fait, c'est un jeu où là, on est 7, c'est le strict minimum. Genre pour le jeu. Imagine quand t'es 20, le manager. Attends, mais t'es censé être 20, normalement. C'est impossible. C'est impossible. Et en fait, du coup, t'as une map où là, on joue sur la 4-18, sinon t'as 4-21 où c'est encore plus. Ah ouais, non, c'est mort. Ah ouais, ouais, c'est grand. En vrai, Shunz, t'étais imposteur, toi. Oh que oui. Oui, c'est lui, mais c'est joué comme ça. C'était qui le deuxième? C'était moi. Ah ouais, mais du coup, j'ai été assistant manager et manager derrière. Non, mais si t'es manager, là. Après tu restes quand même. Bah non, mais quand t'es manager, non, après, j'étais manager. Trop fort. Si t'es manager et que t'es méchant, Shones, tu t'as je crois que ça a changé mon rôle après. Gentils, on est d'accord que quand t'étais sur ta chaise, t'as pas fait exprès de faire tomber le truc par terre, ouais. Non. Mais ouais. C'est bien moi qui ai mis le virus dans ton PC. En fait, je te vois assis devant le PC avec le truc par terre, genre. Pour mettre le virus, quoi. Et il me dit non, mais c'est pas moi. Attendez, pardon, juste, mais. Exactement ça. C'est oui, bon, moi j'étais en roleplay menteur de mon côté. Mais au début, je devais mettre une agrafeuse dans la gelée. Hein, quoi? Mais putain, parce que mais moi non. Aussi j'étais. Mais alors, du coup, si t'avais ça, t'étais méchant ou t'étais. Moi j'étais fainéant, moi. Ah oui, voilà. Bah oui, mais. Ah bah voilà. Mais du coup, je voyais Shones qui était slacker, mais du coup, toi Twix, t'es juste en train de mentir à tout le monde là. Non, pas du tout. Mais, je devais prendre qu'une agrafeuse. C'est tellement vrai, ah, mais oui. Parce que des fois, t'as des missions. Bah, tu peux avoir des tâches de méchant si t'es gentil. Ah oui. Ah donc Twix, t'as pensé tout le long que t'étais méchant en fait. Spécialiste, c'est gentil. J'ai une question. Quelqu'un a réussi à mettre la graffeuse dans la gelée ou pas? Ah, j'ai pas eu ça moi. Ah bah, j'ai pas réussi, j'ai passé 10 minutes. J'ai pas eu ce problème. J'ai réussi à mettre le feu, à tout déconnecter plusieurs fois. Moi j'ai eu un bug donc bon. Sean s'il a bossé, hein. J'ai vu. Bon, comme... ça t'as eu un bug. C'est quoi comme non, en fait, je devais faire un truc et je devais imprimer une feuille et la feuille à un moment elle a disparu et du coup j'étais bloqué. Oh bah. Heureusement, Sakor m'a viré et du coup j'ai eu d'autres missions.
Ah oh bah magnifique. Non, parce qu'en vrai, le truc, c'est que le manager est forcément gentil. Donc, je pense oui. que jamais tu le destitues, sauf si vraiment il est en choke. Je vais remettre la map de base. Oui, là, j'avais mis destitué pour parce que c'était marrant, mais. Mais toi, t'es comme ça de toute façon. Non, mais j'aurais dû virer. Si j'avais su, en fait, fallait que je vire quelqu'un. Sinon, je pense que. Je me oui, en fait, t'as un truc de réunion obligatoirement. Ah tu oui, virer. En fait, si tu vires pas quelqu'un, normalement, pas en haut à droite, t'as un truc marqué. Il faut que tu vires quelqu'un dans les deux minutes. Mais du coup, justement, si tu te fais virer, tu peux pas une boîte plus loin. Si tu te fais virer, je crois que tu deviens concierge. Et... En fait, c'est ça. Bah faut, voilà, bien call la réunion, faut bien call la réunion dans la conference room avant le timeout quand t'es manager. Sinon, le manager. Voilà, fait bah, mais genre, quand complexe. Les premières games, PA, tu veux pas justement mettre, faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de timers là-dessus vu qu'on n'est pas beaucoup et qu'on commence Bah là, en fait, à droite, t'as des pourcentages temps non, du recharge, du remplacement de manager, durée de la réunion, temps de recharge de la réunion. Temps de recharge, de remplacement, tu peux mettre 3 minutes peut-être. Ouais, je pense un peu plus lent, tu vois, histoire que tout le monde prenne ses marques. Un petit 5. Ouais, je pense. Mais du coup, quand tu te fais virer, c'est fini, c'est une fin de rajout. Bah après, en vrai, c'était long, c'est juste qu'il n'avait pas. Tu moi, je vais juste jeter des déchets. Et tu joues, ah, d'accord, tu joues concierge. Ah ouais, ok, ok. Ouais. Non, ouais, pour moi, mais. Wow, tu peux préparer des plans okay. avec un autre concierge aussi. Ouais, en vrai, bah oui, et puis. Normal. Le coup d'état. Ouais, à coup de balai. Coup de balai. Arrache des mecs. Toi qui as mis la disquette, bâtard. Vas-y, bah, on est parti. Allez, les gars. Allez, c'est parti. Allez. J'ai mis prêt, c'est bon. Ok les gars, on y va. Ouais, bon, cette fois-ci, j'espère aucun souci, hein, sinon je hurle là, hein, vraiment. C'était pas forcément méchant. Merci. On voit ce qu'on est en fait. C'est ça que je comprends pas, les gars. Je sais pas s'il y a besoin d'augmenter. Bonjour. Vous pensez? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que. On les entend allez. Pas tous pareil. Ouais, c'est... On les entend pas tous pareil, effectivement. Salut, enchanté. Ouais, enchanté, monsieur. Putain, le Domingo. Bel coup de cheval, hein. Bah ouais, écoutez, merci. Oh, d'accord. On a les petits. Oh, Domingo. Regardez-moi, j'ai mis une petite photo de moi. Histoire de. Que ça va, toi, Gigi? Je sais pas, je me cherche encore. Je crois que je suis pas dans cette société, hein. Si, si, si. J'ai dû être viré, hein, je pense, déjà dès le début. On est très heureux de vous accueillir. Merci, hein. Attends, mais moi j'ai pas de bureau, je rigole pas. Si, ça doit être là-bas. Ah, je suis là, waouh, je suis au fond, les gars. Bon, je suis tout au fond, hein, si jamais. Bon, bref, à méditer. Hein. Non, les gars, je suis là, moi. Je suis ici. Je dois oh, ça orga un petit peu. Oh non. Je vais me mettre à bosser, les gars. Je vais me mettre là en attendant. Qu'est-ce qu'on a? On est dans le main workspace. C'est où? Attends, mais pourquoi je vois pas le dessus? Ah oui, d'accord. Tac, tac, tac. Ok, c'est là, et moi je suis ici. Waouh! Tu checkeras tes mails. Ouais, mais pas de soucis. Bah, je vais checker. Je checkerai juste après là, j'ai un petit truc à faire. Hop. Oh, le manager, Sean. C'est Sean le manager, il était promu comme ça lui. Bah, c'est juste au début de la partie. C'est j'ai à lui, hein. Mais t'es manager, ça. C'est vraiment fou quoi. Server room, t'as des trucs un peu à faire ici toi? Ouais, organisé, ouais. Ouais, bah je suis en organisation aussi, écoute. Ouais. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines portes qui sont fermées, non? Ok, les gars. Non, c'est ouvert. Ça, c'était la salle de meeting hein, du début, je pense. C'est bien la même. Oh, attends, une boîte de rangement. Où c'est qu'on a ça, là, les boîtes de rangement? Oh. De beau, oh, c'est derrière. Bonjour. Non, bah je visite un peu le propriétaire. Cherche des petites boîtes de rangement pour organiser mon bureau, tout simplement quoi. Merci monsieur. Ça bosse ici, par voilà, bah, où ça bosse. Ça bosse hein. Boîte de rangement, bah superbe. Superbe. Allez hop hop. On reste pas avec un carton dans les mains là. Ouais, bah je vais la ranger, je vais la ranger. Il y a un ascenseur ici. Bah pareil. Ça est-ce que vous voulez aller au sous-sol peut-être au moins deux? Allez, on va au moins deux. Oui. Eh hey, les boys, on est pas un peu trop. Qu'est-ce qui se passe là? Beaucoup là. Qui va se prendre une petite fessée là? Comment tu chiffres là? Non, je vous vois. Mais comment vous faites ça? Comment tu fais une fessée? Tu t'appuies sur F. Oh, je savais pas. Oh les petits chats trop mignons. Regarde les petits chats. Oh Luna. Je le pète, je pète un peu. Oh Luna. Vraiment très statique hein, le chat quand même. Bon allez, du papier dans l'imprimante moi les gars, je remonte direct. Bah je vais remonter aussi hein, j'étais juste venu voir un petit peu à quoi ça ressemblait ici, boîte de rangement. Ça va bouger, ça va bouger les gars. T'as beaucoup de boulot là aujourd'hui Twixou? Oh,
Ouais, c'est chargé, hein, putain. J'ai chargé. Pas à voir le jour, hein. Bah écoute, je te mets une petite fessée, quoi, c'est tout ce que tu mérites. Merci, hein. Ça t'encourage, hein. Merci. Oh là là, y'a. N'oublie pas, Jiraya, d'aller voir tes mails. Hein. Ouais, bah bien sûr, bah, je vais y passer, je vais passer au bureau, hein, tout à l'heure. Hein. Oh là là. Le travail, c'est pas idéal, mais voilà, je vais aller bosser un petit peu. Hein. On se retrouve le soir. Et... Oh, petit. Une copie de. Non, ça, on peut pas l'enlever. Voilà, c'est quoi ça, ça vous gêne pas, et puis. Ok. Je vais aller voir mes mails un peu, hein. Xarian. Ah oui, jusqu'au serrage de main. Bon, j'ai l'impression que ça se passe bien. Comment on reply? Je vais travailler, pardon. Allez. Ah, je peux. Comment Ah, on est. Gigi là. Pourquoi je peux pas. L'ordinateur ne marche pas. Ok mec, on en a des mails. Ouais, c'est vrai que la boîte mail elle est vraiment. Scrivez-moi pour ma boîte. La boîte mail elle est complète, elle est complète. Ça va, j'ai rien. C'est ouais, bah écoute, t'as reçu mon mail ou pas? Je vais lire ton mail. S'il te plaît, ouais. Ouais, s'il te plaît, va voir le mail. Je t'ai demandé un peu d'autre chose quoi. On doit aller voir. Les gars, y'a quelqu'un qui aurait une souris? Ouais, mais j'ai que des souris à boule, frérot. Oh là, qu'est-ce qui t'est arrivé à ta coupe de cheveux, Loan? Ouais, ça a tapé fort la Oh frérot, tu fais la peucou à Xari RL ou quoi là? C'est exactement ce que j'ai dit. Tu me fais la même coupe. Tu me fais la même peucou que le Xav. Ça va, ça se passe bien toi le boulot là en ce moment, ouais, ou pas? Ça se passe bien, mais on m'a pris ma souris en fait. Donc merde. Tu veux derrière, tu sais que Janine n'est jamais revenue au taf, hein. Tu pourrais peut-être prendre son poste, non? Oh non, panne du serveur. Ah merde, mais je peux pas. Oh, comment on va faire? On peut pas taffer. Oula! Oula, promotion! Ah bah voilà, en voilà un qui a encore fait. Forte impression, putain, pur suceur. T'as quelque chose à faire là, mon pote, ou pas? Bah ouais, j'aimerais bien en fait pour que je commande un keyboard, mais. Tu sais ce que c'est? Ah, bah moi je sais pas ce que c'est le Miscellaneous 1. Miscellaneous, je sais pas où. Ah si, ça y est, je l'ai. Je l'ai, c'est bon, hein. C'était marqué. C'était marqué. Une claque sur le cul avant. Bah, attends, bah pareil. Tiens, petite fessée. Tiens, voilà, coquine que t'es, toi. Oh, pop, hop, oui. Non, on est super proche, hein. C'est, on aimerait que ça sorte pas, ça sorte pas du bureau quand même. Ah, Loan nous a quitté. Non, Lolo. Non, là, je pense qu'il a il s'est fait kick ou quoi, à mon avis. À mon avis, il s'est fait baiser, le pauvre. C'est une agression sexuelle, hein, auquel on vient d'assister, mais. Ah, les serveurs ont été reconnectés. Non, 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 ça n'a rien à voir. Moi, j'ai rien réparé non plus. Hein. Tu as ramassé tes merdes, toi ? Ouais, c'est pas moi. C'était déjà comme ça, par contre. Voilà, je le dis. On aurait vu Luna, le chat Luna. Ouais, bah elle est en bas, elle est au sous-sol. Tu l'as pas caressé tout à l'heure ? Tu l'as pas caressé au sous-sol ? Bah non, mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Bah écoute, je toque un peu, y'a personne. Putain, mais. C'est fermé, oh! Y'a quelqu'un en bas là? C'est qui est en train de dormir? Je peux. C'est fermé, je peux pas, je vais devoir mettre un coup de. Oh putain, j'arrive pas. Je vais devoir en finir. Hein. En plus, j'ai besoin d'y aller. Mais pareil, putain, mais. Bah ouais, mais le boulot, on va jamais avancer. Par contre, je pense que premier degré que Loan a été déco. Hein. Je pense que premier degré que Loan n'est plus avec nous. Merde. Il faut que je. Je vais essayer de trouver le manager. Hein. Ouais, manager! Manager, je crois que Loan a été déconnecté, hein. L'assistant. Ah mais. Excusez-moi, il y a une porte fermée. Parce que Loan a disparu d'un coup. Je pense qu'il a été. Aussi en plus. Ah bah, tu te mets une petite fessée, mais. Voilà. Oui, dis-moi toi. L'agresseur là. Non mais. Ouais. Depuis qu'ils ont quitté le. Ah ouais, mais là, Loan a pris Xari déco. Bah voilà, les gars. Catastrophique là ce qui se passe. On arrive, monsieur le manager. Manager, il y a eu des décos, manager. Ah, c'est terrible. Il y a eu des décos, manager. Il y a quand même 5 jours, on l'a pas vu depuis 4 heures. Hein. Désolé, que ce soit clair. Non, j'étais en train de nourrir le chat. Pardon, excusez-moi, manager. Est-ce que nous avons des informations? Ouais, d'ailleurs, asseyez-vous là, soyez comme Jiraya, s'il vous plaît. Bah, je me suis assis, mais je tiens à dire tout de même qu'on a deux employés qui ont déserté le. Ouais, qui sont plus là, quoi. En termes d'entertainment. Deux, hein. Si vous voulez, ils sont. Ouais, ils sont en POV sur. ils vont nous raid bientôt, donc.
Ça va être très sympa. Est-ce qu'ils sont virés ou ils sont déjà dit non, 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 ils ont bug, ils ont freeze et il faut relancer, je pense. Ah merde, ok. Bon, bah du coup, on va virer sa corde, ça vous va Attends, mais moi j'ai imprimé du papier. Ah. Et je l'ai mis dans votre bureau. 8 minutes que vous avez du papier dans les mains et pas une seule fois à votre bureau. Comment on fait pour travailler sans être à son bureau? Vous avez 30 secondes. Mais parce que moi j'avais pas besoin d'être en bureau, il fallait que je fasse du rangement. Oh, j'ai oh. dû ranger des choses dans le sous-sol. Attention à ce que vous dites au manager. Attention à ce que vous dites au manager. Monsieur, il m'agresse. Non, 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 oui, oui. Qu'est-ce que. Aïe, aïe, aïe. Aïe, non, mais. Eh ben, vous avez pas le droit de me gérer. Monsieur manager, manager. Non, mais là on va. Vas-y, Shunzi. Écoutez, pour l'instant, je pense que 2000 est exemplaire. N'a rien fait, mais je le sais. Attends, venez, on se serre la main. On a tout fait. Ça, c'est parfait. Je me serre la main. Bah, pareil. Bien joué. Vous allez avoir un blâme. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas vous virer? Bah, tout simplement parce que j'ai fait que des tâches qui étaient marquées en bleu à côté. Donc, je pense que ça m'innocente. Il vous a mis une fessée quand même. Moi, je pense que c'est un manque de respect envers le manager. Non, la vérité. Énorme chose. Alors, ranger des papiers et ranger des cartons. C'était très important pour l'entreprise parce que c'était le bordel ici. Après, vous êtes bien descendu aussi au sous-sol, monsieur Sakor, j'ai l'impression. Oui, il fallait que je range des cartons au sous-sol. Oui, soi-disant pour voir Luna le chat. C'est pas bizarre ça d'aller voir Luna le chat? Oh, le gros rangeur, le gros rangeur. Regardez. Bah, écoutez, j'ai entendu. Faut bien nourrir les chats. C'est une tâche ici, nourrir le chat. C'est une tâche bleue. Voyez-vous, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et la conclusion, quand même, malheureusement, elle va se porter sur l'un des pseudos qui est celui de Jiraya. Puisque aïe, aïe, aïe. Jiraya, je vous ai trouvé très belliqueux. Trois quarts du temps où je vous ai croisé, c'était des fessées. Et ça, je pense que c'est pas une très très belle Si vous voulez, mais vous allez le regretter, c'est tout ce que je peux dire. Ok, bien écouté. Sur ce. Si on peut y aller, hein. D'accord, excuse-moi, mais sur la 8ème PC à Jiraya en disant tiens là, c'était un peu suspect quand même. Un spécialiste a été viré. Eh bah oui, bah allez, les gars. Oh non. Vas-y, venez en remake, non, remake. En remake, on remet en remake, comme un remake. Allez, allez. Oh le remake. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça crash. Bah Lolo Exav là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Aïe, ça a crash du côté de Lolo Exav. Putain, c'est dur. Ouais, il s'est passé quoi les refs? Alors moi en vrai, ça m'a crash quoi, genre ça m'a quitté. Ouais, moi aussi ça a crash en plein milieu, genre juste ça a quitté le jeu. Ouais. Non, c'est pas possible. Plus de fessés, franchement mollo les gars. Ouais, c'est vrai que les fessés c'était. Bah, tu m'as viré alors quand j'étais avec toi, mon pote. Moi aussi j'étais avec toi. C'était employé modèle, hein. Ouais, non, mais il a été très bon. C'était le One Exile. Ouais. Non, c'était moi. C'était. Merde. Moi et Dominique. Je suis désolé. Tu l'avais promu en tant qu'assistant en plus. C'est le seul qui a bossé quand j'étais là. Voilà. Donc, à partir de là, il a pas voulu bosser. Il a mis votre souris à la poubelle, hein, chef. Non, ça c'est pas. Ah ouais, moi aussi j'ai essayé de taper. Il m'a pas souris. Plus là. J'ai mis de la gelée sur le truc de Sakor par contre. C'était un comment t'as fait? Bah gelée dans les mains et sur la souris, clic, mettre la gelée. Oh, la souris marche plus. Ah, c'est fou, la souris ne marchait plus à un moment. Ouais. Ouais, mon pote. Et c'est qui? Bah non, mais en vrai, vas-y, mais pareil, je pense. Peut-être envoyer s'il y a quelqu'un qui est déco, mais s'il y a des gens déco, ça va faire beaucoup. Mais est-ce que comme d'hab, on est les seuls à avoir des soucis techniques? Je sais pas, mais bah là quand même, ça fait 3 en 2 games quoi. Ouais, c'est la faute à pas de bol quoi, genre vraiment. Bah là, non, maintenant, peut-être les PC ils sont la carte. Ouais, mais en même temps, tout à l'heure c'était l'autre map qu'on a mis. Donc, non, restons sur cette map, restons sur cette map. Ouais, on commence à être bien. On connaît par cœur, on est parti les gars. Ah, j'ai la méta. Attention, monsieur Jiraya. Oh, oh, oh. Je pense si on a le code de la partie, on peut la rejoindre. Ah, ouais, j'avoue. J'avoue que pour les prochaines, ce serait pas mal de rejoindre la partie si on se fait déco, si on prend le code. C'est vrai qu'on devrait faire ça, je pense. Bah en fait, de prendre le code de la partie, Domingo, quand il crée la partie, il doit avoir un code, il devrait nous le partager, comme ça, si on se fait déco, on la rejoint. Tu vois, je pense qu'il y a marqué qu'en fait, on peut rejoindre si on a le code, en fait, de ouais, PA, si t'as le code, tu nous partages. T'as vu pas le manager, là-bas, là? Bah ça dit, bon, c'est qui le manager? Putain, c'est encore le manager, lui? Déjà, sous mon air, puisque c'est une air ici. Il y aura pas de PC, je peux vous le dire. Donc si je vois des PC un peu suspects, faites attention. Il y a une PC là. Oh monsieur, c'est Twix, c'est Twix. Petite PC. C'est lui qui a commencé, il m'a tâté le cul. Une petite fessée encore. Je vais voir mon bureau, moi, surtout. Au chat, sous l'air Domingo. Manager Domingo, Shonzi, Xari ici. Est-ce que je suis encore tout seul, moi, là-bas? Twixou. Je suis où, moi? Je suis où? Bonjour à toi, Twixou. Sakor est là. Un employé modèle, encore une fois. Bah, attendez, mais c'est un scandale. Bah, où c'est que je suis, moi? Lolo. Ah, ben bah, voilà, je suis là. Magnifique.
Doom, 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 doom. La vie est belle. Est-ce qu'on se ferait pas ça? Ça marche en vrai. Oh, un petit kawa, ouais. Padam padam pam pam. Padam padam pam. Attends, mais moi je suis où? C'est là, c'est ça mon bureau, ça. Monsieur Jonesy, ça bosse un petit peu? Ouais, je suis déjà à une tâche finie. Oh, il est bon. Moi je branle rien, voilà, je vous le dis. Hein. Hop là. Vous avez trouvé votre bureau? Ouais, j'ai trouvé mon bureau, c'est déjà pas mal. Je suis allé boire un petit café pour voir si ça marchait bien. Ça marche très très bien. Un petit kawa, puis alors, là, ça va commencer très bien. Le nouveau grain est bon? Le nouveau grain est très très bon. Par contre, je dois aller classer des classeurs, je sais pas quoi, dans les tiroirs. Ça prend n'importe quel. Eh non, malheureusement. C'est où? Dans le server room. Oh, le server room. Qu'est-ce qu'on est bon! Ça veut une taf? C'est... Oh, bah... Oh bah dis. Bah dis donc, mais t'as repris la clope? Vous avez... Bah attends, manager, vous avez repris la clope? Ouais, t'as quoi en ce moment là? T'as un peu de shit ou pas? Bah... Il est sous puff de Chine! Non, j'en reviens pas, les gars, le manager est sous puff de Chine, je suis abattu. Vous mettez pas les antivirus, mais Lohan? Oui, je revenais de donner à manger au chat en bas. T'as vu ça? Bah oui. Ah là là, les serveurs! Les serveurs sont flingus! Les serveurs sont flingués! C'est dingue! C'est flingus! Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là! Bah, je sais pas, y'a un. Oh bah, dis donc! Mais c'est quoi? Oh là là, l'assistant pour le Xav! Padam padam pum pum. Qu'est-ce qui se passe là? Pardon, je voulais visiter le bureau. D'accord, oh, je suis payé 20 euros bruts de plus que toi! Attends, mais pourquoi? Okay, pourquoi? En plus, c'est Jim! Je suis à deux doigts de convoquer une réunion. Mais pourquoi il a été promu assistant, Xari? On a déjà parlé. Parce que je travaille, je viens de vendre 20 C14, des cons! Non, mais alors, mais attendez! Tu veux débloquer mon ordinateur? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi, ça va toi Gigi? Bah ça là, c'est quoi? Bah ce que tu viens de débrancher, non? Non, j'ai rien touché du tout. J'étais en train de faire les tiroirs là. Ah, excusez-moi monsieur, mais alors là vraiment, j'ai entendu hurler à côté de mes oreilles. Ouais, Xari, bizarre quand même. Hop, j'ai organisé un peu, hein. Voilà, une petite organisation de classeurs, y'a rien de mieux, je vous le dis tout de suite. Hop, 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 attendez, je viens de vous voir sortir, monsieur Twix, Twix. Mais je viens de vous voir sortir de mon poste de travail. Bah n'importe quoi, je remonte. Bah vous rigolez ou quoi? Je viens de vous voir sortir de mon poste de travail. Mais non. Bah je viens de vous voir, mais attendez. Mais il part. Oh là, alors ça, je vais aller le dire. Alors ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Je viens de voir Twix sortir de mon poste de travail. Voilà, voilà, c'est de la musique, si. Yo, putain, mais attends, mais pourquoi... Et Shonzi, t'as mis la musique à fond. Et on est là pour... Oh, let's go. Wouh. Jetez-moi des billets. C'est quoi dans cette main, Gigi, là? C'est un dragon bleu, ça... Là, ce que tu viens de jeter, par exemple. C'est quoi? C'est quoi? Allez, Jiraya, ça fait beaucoup. Mais non! Mais qu'est-ce qui se passe? Manager, Domingo. Mais tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? C'est ce qu'a pris, comment ça va être, Twixou, sur mon bureau, mon pote? Je viens de le dire à Shonzi. Ouais, ça fait beaucoup lui. Hein. Non mais gars, je... Oh, frérot, ça là, je te le mets. Pourquoi déjà tu sortais du truc de serveur le moment où ça buguait et tout, ça fait beaucoup. Parce que je classais dans le tiroir, les trucs, mais il est con quoi. Et gros, je viens d'aller voir Chan, je dis, il y a Twix qui vient d'aller dans mon poste de travail, il est parti ici, il refuse de me répondre. Il est là, Twixou. Il était sur mon poste de travail, je veux qu'il réponde de ce qu'il faisait sur mon poste de travail. Avec un contrat, il est prêt à le faire signer. Bah oui, moi je pense qu'il travaille. Non, enfin, c'est scandaleux. Allez hop.
Alors prendre ça. Qu'il avait ça. Je vous le repose ici. Hein. Manager, j'ai besoin d'aller me fumer une cyclope là. Vous me permettez? Je vais couler un bronze qui m'aime me suivre. Moi je vous aime bien, mais de là aller en bronze. Attends, on peut vraiment aller chier? Oh, c'est un triple bronze. Excusez-moi, on monte une équipe pour aller chier dans le. Si vous voulez, on fait chacun son tour. On est 7-7, allez. Mais qu'une toilette. Oh. Ah oui. Arrête, ça me constipe. Arrête, arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Tire pas la chasse, c'est mon tour. Ah bah je te laisse faire. Hein. Ah. Bravo. C'est pas intimidant du tout. Hein. Bah tiens, bah vas-y, bah régale-toi. Hop là, je te fasse un peu. Allez, tiens, viens, on se serre la main si tu veux pendant que tu chies. Vas-y, serre-moi la main. Faire, non, merde. Écoutez, tu t'es pas lavé les mains, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Attends, on va allez hop, allez, tiens. Voilà. Tiens, rends ça. Je coule. Oh merde. Où l'a réu. Excusez-moi, il est en train de couler un méga bronze, le frérot. Je suis là, j'étais en train d'organiser les classeurs. Ah, il est aux toilettes, on revient avec Twix, on était tous les trois aux toilettes. C'est, ouais. On a passé un moment, mais délicieux. On a fait un triple bronze. Ouais, on était tous les trois aux toilettes, on a vu ce que ça donnait, un grand moment. Pour maintenir l'efficacité de... Bah, une cohésion d'équipe. Mais il va rester combien de temps, parce que là, je vais... Après... Parce que... Oui, moi, pour l'instant, j'ai... ensemble, si vous voulez, hein. Oui. C'est la réunion, on s'assoit. Voilà, il arrive. Ah, ouais, je sais pas ce qu'il a coulé, mais c'était plus qu'en bronze. Hein, c'était. Ah oui, belle chiasse. Hein. Moi, pour l'instant, je dois vous dire que j'ai quelqu'un qui est plutôt suspect. Ah bah, j'imagine que c'est moi. Bien évidemment. Ouais. Avec deux attitudes, un serveur déconnecté au moment où Jiraya sort. Et derrière, on a eu l'affaire de la disquette bizarre. Infectée dans la main. Dans la main, oui. Ah oui. Bah, j'ai déjà expliqué. Twix est arrivé sur mon bureau. Twix à ce moment. Non, je l'ai accusé avant. Twix peut confirmer. Hein. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais sur mon bureau? Il a refusé de me répondre. Il est parti. Pour le serveur, j'étais en train de classer les classeurs, là, ou je sais pas quoi, organiser les classeurs. Je suis pas parti pour le serveur, je venais de nourrir les chats, cher ami. Mais tu étais dans mon bureau, et qu'est-ce que tu foutais mais sur mon bureau? J'étais à l'entrepôt. Mais l'entrepôt, c'est pas dans mon bureau. Je l'ai vu à l'entrepôt. Je sais bien que l'entrepôt, c'est pas ton bureau, mais justement, je n'y étais pas. Mais quand tu es sorti de mon bureau, pourquoi tu es allé dans mon bureau? C'est ça ma question. Je n'étais pas à ton bureau, je passais devant ton bureau pour aller chercher de la nourriture. Oui, Twix, ça doit être ça. Moi, je reviens à un appel précis là. Comment? C'est 14, ok, ça t'a fait tourner. En tout cas, je crois malheureusement que je vais devoir. Ah bah, je te comprends, mais je pense que tu fais une erreur. Voilà. Un slacker a été viré. Tu vas ramasser ma poubelle, mais une grosse merde. Allez, va ramasser ma merde. Je suis abattu, je démissionne. C'est parfait qu'on a coulé un bronze. Je vais travailler chez IBM, au revoir. Du coup, là, on est quoi? On est concierge, j'ai ramassé un déchet, jeté l'objet dans la poubelle, ok. Non, on s'est fait baiser, les gars. Non, ouais, t'es vraiment habillé. T'es même pas concierge, t'es en tol, là. Ah ouais? Je vois même. T'as une blouse noire. Mais alors, comment on voit pas son reflet quelque part? On peut pas voir? Non, tu n'as plus le droit de te voir. Hop là. Voilà. Salaud, hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais on est où là dans cette boîte? L'autre il a l'air. Ben reviens-moi encore, tu vas faire quoi de toute façon? Je suis en bas, je suis tout en bas de l'échelle sociale. De toute façon, vous avez jamais cru en moi dans cette boîte de merde. C'est un post-clope. C'est vraiment la post-clope. Bah ouais, bah désolé. Chones, tu veux un petit verre? Attendez, panne de serveur. Oh, on est innocent. On est innocent, nous sommes innocents. Je suis innocent. Pardon, pardon. Saccord, allez-y. Ouais, allez, je me remets au boulot. J'y vais, j'y vais. Un peu suspect quand même du coup là. Oui. Qui ça? Je peux bosser, Xari. Ah la bière, ouais, Xari, moi je peux rien dire mais bon. Ouais, c'est vrai. Je me fume une clope quoi. Ça va en ce moment la famille. Ouais, bah, gosses, ça va super, mais bon, elle a divisé mon salaire par deux quoi, donc c'est pas si évident. Casse un peu les couilles. Ouais, merci, attends, on est ensemble. Hein. Ouais, je vais jeter cette clope allumée. Eh, j'ai plus de souris,
putain. Ouais, mais il qui fait la DSL. Mais vous avez... On était... Je suis resté là, dans le truc. Le manager pourra plus rentrer, de toute façon, voilà, je le dis. je vais rester ici. Je vais rester là. Bah en fait, on est d'accord que quand je suis... Quand je passe concierge, je joue avec les gentils, quoi. Non, entre guillemets, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Je sais pas trop si... Je... Parce qu'en fait, comme tu connais l'identité des autres, c'est un peu bizarre. Hop. Je te propose qu'on parle à la fin de la journée quand je suis rentré et qu'on se voit plus. Ouais, je peux pas prendre. Pas de soucis, allez. Parfait. Boss un peu, s'il te plaît. On se soutient. Ah, on est neutre, d'accord, ok. Je vais voir ce que je peux prendre. Mouse. En vrai, je peux prendre plein de trucs. Je peux juste faire chier, en vrai. En vrai, DV. Manex, ok. Je vais prendre toutes les sous. Non, pas ici. Là. Bah écoutez, je suis concierge, hein, donc je suis tout en bas de l'échelle alimentaire. Ça bosse. Je vais me faire bouffer là. Je me suis fait bouffer. De toute façon, je vais faire péter un plomb le patron. Je pense que je vais aller dans son bureau et je vais m'enfermer. Tu es un malade. Pas besoin de votre accord hein, pour vendre les C14. Par contre, là, il y a un mec qui s'est. Et moi-même, on fait des trucs. De toute façon, il n'y a qu'une seule solution pour se faire entendre ici. Je vais prendre le bureau du patron par la force. Ok. Voilà. J'ai fumé des clopes dans son bureau. Est-ce que je peux m'asseoir ? Y'a que ça qui peut entendre le patron de toute façon. Cette image existe. Papa, mais non, j'en ai rien à foutre. Qui me redonne ma place? Oh, ça me flingue. Je vais ramasser un déchet. Y'a que ça à faire, attention pour qu'on me rende mon taf, j'ai l'impression. Je vais foutre le feu ici. Ça me régale. Je ramasse d'autres décès. Hein. Ils veulent pas en parler. Hein. Monsieur le manager, il y a un gros problème. Voilà, il y a. Mais alors, ça quand? Fais quoi de beau là? J'ai ramassé un petit peu de PQ là vite fait là. Genre, ouais. Le PQ. Tiens, mais c'est tout ce que tu mérites toi avec ton PQ. Tiens, je t'ai dit tout de suite. Voilà. Petite salope que t'es toi. Cul, tiens, je remonte sans toi et moi je vais en réu moi. C'est quoi ce jeu? Mais comment vous allez, vous? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Ouais, je suis au bout du rouleau, moi. De toute façon, j'ai fumé 4 clopes. Un peu plus. Un janitor qui a été pas... Un tout petit moi, peu je plus. Je pense que bah, celui qui est d'ailleurs absent, hein, le dénommé Sakor, ouais, me semble un peu suspect quand même. Ouais, je l'ai laissé en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il descendait l'ascenseur. Bref. Ouais, mais... Bon, il va se faire virer. Allez, ah, il faut être présent au meeting, hein, c'est la règle de base. Ouais, c'est ça, il est pas là, il est pas présent. C'est non.
Les absents oh, toujours bah là, tort. Il reviendra avec un autre costume et un autre boulot, c'est tout ce qu'il y a à dire. En vrai, j'ai l'impression que c'est ingagnable. J'ai peut-être devoir reprendre ma souris. Hein. Bah ouais, mais j'attends qu'il enlève mon virus. Ouais, mais bon. Bah je suis éliminé hein. Définitivement là. Non, 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 il doit être en bas, il a dû se transformer. On est bloqué là ou c'est bon, j'ai du boulot. C'est de l'arc. Bon, faut que je ramasse un peu de déchets, pardon. Petite bière. Où le Twix là ? Il est où oh, le Twix ? Poubelle. Il est juste là normalement. Oh, il est pas là ! Mais il a récupéré quand même une petite souris. Il est où ? Bah, du coup, est-ce que c'est. Sakor là, il est où ? C'est un collègue ? Zari, il a été déco, les gars. C'est bien, il y a un peu de bordel. Xaria a été déco hein. Je crois que Xaria a été déco. Est-ce que t'as le numéro de la room pour qu'il nous rejoigne ou pas? Je te l'ai signé hein, si jamais. Tu peux lui filer le numéro de la room ou pas? Je fais paramètres mais je vois rien en fait. Ah mais je crois que c'était peut-être quand on avait créé bon. Tu penses qu'on peut rejoin à chaque fois? Ouais parce que vu que tu la laisses en public, normalement on peut join avec le numéro de la room. Mais tu dois avoir un numéro peut-être à générer ou quoi, enfin on verra après mais. Ah t'as mis privé. Bah même en privé, si t'as un numéro normal, tu peux rejoindre, je pense, si tu mets un mot de passe ou quoi, bon je sais pas. Musée à verrouiller un petit peu. C'est les prévisions de vente. Parce que comme Xavier manque, je dois faire un travail. Mais bonsoir. Bonjour. Vous avez toqué, oui. Oui. Il y a quelque chose à nettoyer ici ou pas? Non, je vais devoir encore aller voir les chats de merde. Ça me régale. Bonsoir. Oh, est-ce que vous voulez nourrir les chats? Bah je vais aller nourrir les chats. Bah moi en tant que concierge, de toute façon j'ai pas le choix hein. C'est, si je veux nourrir ma famille. Voilà. Yayou. Ouais là où je suis immortel. Ah, allez. Luna et Raccouche. Raccouche. Je le pète un peu. Raccouche. Hop, je te pète, Luna. Voilà. Raccouche. Ok, bon, vous allez bosser. Hein. C'est super sympa cette chose avec vous. Ah, je dois prendre des feuilles pour mettre dans le film. Des feuilles pour Smoke ? Ouais. Ah, je crois que c'est le. Non. Tu lances un atelier ? Tu lances un atelier ? Hop, on y va. Je fume des vogues. Arrête un peu de me mettre des gifles. Non, parce que je t'aime, tu comprends ça? Oh là là! C'est quelque chose d'ascenseur. Bah oui, ascenseur très serré, hein, collé serré. Par contre, la peu coup que t'as, Loan, elle me fusille. Oh là là, le manager, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Mille balles la coupe, hein, si jamais. Comment il me parle? De toute façon, tu peux pas me revirer donc. En fait, tu peux découvrir justement. Mais enfin. Allez hop. Je boycotte ceux qui m'ont mal parlé tout simplement. Et il est où ton pote tu dirais? Xari? Le fameux Loan. Xari? Manager, j'aurai besoin de vous pour m'enlever le virus s'il vous plaît. Ah bah avec grand plaisir. Xari? Par contre il est toujours pas revenu en vrai Xari pour le coup. Mais t'as pu un peu travailler quand même du coup Loan ou pas du tout? Ah bah oui là je reviens des chats etc. T'avais fait quoi toi? Voilà, il y a le petit papier qui est signé juste ici. Ouais, tout se passe bien, quoi. Oui, en effet. Hein. Ah oui, ça en fait du taf. Est-ce qu'on peut, faire ça nous en tant que. Bon, depuis que je suis viré, j'ai plus aucune pression. Hein. Zach est fou. Qui est-ce qui a fait ça? Quelqu'un l'a mis dans la poubelle. Hop, on jette ça. Oh là là, les serveurs,
Les serveurs, je peux plus nettoyer. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. Qui a pu... Qui a fermé? Qui a fermé là-dessus? Ils peuvent faire un semblant de... Oh là là là, mais c'est verrouillé, c'est n'importe quoi. Ah, je voulais voir de l'intérieur, mais... C'est bon. Ah super, c'est là, bon. Là c'est bon, je peux déverrouiller. Eh, c'est hyper piqué, hein. C'est très dur, hein. Je sais pas si les mails sont communs, etc. Je peux faire trop pour... Ah là, quelqu'un me bousille mes mails depuis quelques jours. Je peux jamais travailler, il y a des bruits partout. C'est Twix. Je vais aller ramasser des déchets. Qu'est-ce encore. Qu'il y a, le manager? Hop, là c'est une tasse. Manager, il faut que j'ai encore. Hop, 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 à la poubelle, tout ça. Voilà. Manager. Mais excusez-moi, j'ai une lettre providentielle de mon défunt assistant. Manager, je dois bien convoquer un une réunion. Disque, hein. Ça mon suffit, défunt. C'est mon document ça. Mais c'est. Hop, c'est poubelle, moi j'ai tout ce qui traîne, ça part à la poubelle, c'est mon métier. Mais hein. Si y a écrit signé chaud, j'ai écrit. Et non, y'a rien qui était signé. Eh mais c'est mon euro dans la poubelle alors. Et encore, mais vous, c'est bizarre. Oui, je peux pas travailler, alors que j'ai travaillé quand même pas mal. Vous êtes janitor, pas 0 euro. Moi en tout cas, je suis fidèle au poste, je suis là à la réu, malgré mon licenciement il y a très longtemps. Alors, sachez coup, que j'ai reçu un mail que j'ai découvert d'un homme qu'on a aimé. D'un homme que j'ai chéri, d'un homme qui malheureusement nous a quittés. Un certain Xari m'avait envoyé un mail pour me prévenir et me demander de virer quelqu'un. Et c'était qui? C'était Shones. Oh, alors là, je suis désolé, mais... Let's go! C'était Lohan, putain, ouais, le Lohan. Le GOAT, Lolo, bravo, hein, Lolo. C'est toi qui as volé ma souris. Non, c'est non, c'est alors c'est moi en concierge, j'ai volé les souris de tout le monde. Raison, en, vrai, bah, en fait, je me suis dit, je préfère que Lolo gagne vu que je savais que c'était lui. Moi, en fait, quand t'es concierge, tu joues en fait solo. Enfin, t'es neutre, t'es quoi? T'es... Ah, merde. C'est bizarre. C'est... Putain, le voleur de souris quoi. Ah, mais Xavi, oui. Alors que Gigi m'a bloqué en bas, il a pris l'ascenseur. Il a parti en bloqué. Mais qui a déco là à nouveau? Saccord, t'as déco? Moi, j'ai déco. Xavi, moi je suis mort. En fait, moi je suis mort et après je peux faire le fantôme. Ah, mais tu peux tout le monde. Attends, quoi? Tu peux mourir? Il y a qu'un seul janitor, je crois. Ah ouais, puis là, le mec que je t'avais envoyé, c'était au tout début de la game. En vrai, le spec est vraiment marrant. Et c'est quoi le... Putain, c'est trop bien, je savais pas que t'étais mort et... Et par contre, genre, premier degré, pourquoi j'avais genre 1500 virus sur mon PC? Genre vraiment? C'est pas moi qui les mettais. Non, non, c'est pas moi. Non, je pouvais rien faire, frérot. Moi, quand j'ai ton collègue hacker, du coup. Moi, j'ai tout tanké pour toi, j'avais jamais été truc. Comme je suis pas allé au bout du tuto, j'étais en mode bon, bah vas-y, je vais là où ça me dit. À chaque fois que je sortais, il y avait un mec qui me. Bah, Domingo était en mode. Bah, c'est bizarre, les serveurs, je sors du truc. Non, mais en fait, t'as des trucs, parce que les serveurs, parfois, je savais pas, ils plantent aussi naturellement. Ouais, naturellement, c'est ça. Mais voilà. Ah, bah là, c'était. Tu peux pas nous sécu le code au cas où à côté? Ouais, ah ouais, tu peux créer un code, tu crées le salon avec un code, non? Et comme ça, tu le mets en caché. Tout le monde l'a vu, mais venez pas, s'il vous plaît. Ah non, mais ça marche pas à recréer, en vrai. Oh, les viewers, on se souvient de poubelle et... Le jeu est payant, là. Oui, mais juste... C'est vrai. C'est le mec qui veut venir juste pour casser les couilles. En vrai, j'ai recrash, ouais. En vrai, remake. T'as mis le jeu en full screen et tout? Bah là, j'ai remis en full screen, maintenant. Non, mais pas en full screen, mais sans bordure, non? Ouais, mais en bordure, justement, j'étais en bordure et j'ai crash deux fois, donc je me dis. Non, mais je vais recréer. Mais là, en vrai, si PA il crée et qu'il cache le code et que si on est des cons, on peut rejoindre via le code, c'est ok, tu vois, on peut reprendre notre place. J'ai crash. Non, j'ai cliqué sur un truc. Il va nous inviter, de toute façon. Max Player, mais cette non, mais je vais pouvoir vous réinviter. Non, mais en fait, j'avais un peu l'impression que les tâches, ça avait l'air d'être dur de saboter. C'est trop long, hein. C'est très dur, même, ouais, vraiment. Il me restait quand même 3 minutes, tu vois ce que je veux dire. J'aurais pu prendre plus le temps, machin et tout. Et je sais pas si ça se rééquilibre entre guillemets pour favoriser en un vrai, peu quand même. Moi, à la fin, j'avais des missions, c'est quasiment impossible. Ouais, c'est trop long. En fait, c'est long et surtout, c'est un peu grillé de fou parce que tu dois essayer de te mêler à la masse en mode oh, j'ai fait signer ce document et tout. Il faut les connaître un peu les missions de base, tu vois. Donc, c'est. Ouais, c'est ça. Genre, on fait les clowns et on se met des fessées, mais en vrai, si on bosse, ça peut aller vite. Quoi. C'est vrai que si on bosse, on. Est-ce que je mets nombre de fainéants? Donc, attendez, je vous invite, les frères. Il faut juste qu'on bosse, quoi, les gens qui ont des missions. Après, tu peux pas aller, tu peux pas mettre 3 feignants parce que on accepte. 3 feignants, c'est trop. Non, c'est trop. Tu rates dès le début, t'as perdu. Juste des spécialistes, vous bossez, quoi. En fait, t'as la productivité par tâche de feignant, c'est 2%, et tâche de spécialiste, c'est 2% aussi. Tu peux mettre genre 5 en mode ou 10, tu vois, genre. Tu peux mettre plus pour les feignants, quoi.
Ouais, mais plus pour les deux. Ah, parce que là, j'ai bossé, j'ai bossé. Hein. J'ai bossé. Ah, les barres, j'ai vendu 40 C14. Aller, hein. Mais je crois que. Ils ont en gagné, vrai, mais plus pour les spécialistes. C'est ça, en fait. La barre, elle démarre. Non, parce que le truc, c'est qu'en fait, tu peux pas kill en fainéant. C'est pas comme un Among Us, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as pas de finalité. T'es obligé de foutre la merde. C'est ça. Après, 5 spécialistes, quand tu finis. On me dit 10 en fainéant et 7 spécialistes. Et quand tu finis concierge, tu joues avec qui techniquement? Avec personne, en fait. Tu fais ce que tu veux. Enfin, moi, j'ai choisi de jouer. Tu peux foutre le bordel ou aider les gens. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris toutes les souris pour que tu gagnes. Parce que t'as encore des tâches ou pas? Non, tu dois faire juste. La seule tâche que t'as, c'est prendre un déchet, le jeter de temps en temps, t'es toutes les 30 secondes. Tu peux mettre 1% limite. T'es un bon concierge, toi. Hein. Ah, bah, gros, j'ai bossé. Et puis, à un moment, je me suis enfermé dans le bureau de PA, j'ai verrouillé, je fumais des clopes en PM. jusqu'à quand on me redonne mon taf. Allez, c'est reparti. Vas-y, ça part. Allez. Bonne game. Bonne game. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok. Oh là 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 là. Bonsoir. Allez au boulot les gars. Belle journée. Alors où est mon bureau moi cette fois? Mon poste de travail est là-bas. Ah je suis ici les gars, je suis ici. Oh Gigi t'es en face de moi je crois. Oh bah on est ensemble Bah c'est sublime. Comment tu vas? C'est bon, il est là. Bon ça envoie du petit mail ici hein, tout simplement. Hop, voilà. Voilà. C'est sublime. Hop. On est au boulot, les gars. C'est boulot, on reprend. J'ai pas envie de me faire virer. Franchement, très bien que ça se passe bien, quoi. Ok. Alors c'est ça. Hop là. Bonsoir. Hop, je viens de signer mes petites confirmations de vente, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Où est le manager? Où est le manager? Il y a Domingo qui est en train de se balader. Le manager est en bas. Domingo, là. Et où est le bureau de Lolo? Je me suis permis. Ah mais le manager est en bas, pardon. Le plateau a passé. Lohan, le manager. J'avais pas vu. Bah écoutez, on va lui mettre, hein. On va lui mettre ici, mais moi je suis un bon suceur. Hop, je place. Non. Allez, je dois envoyer un petit mail au client, évidemment. Hein. Je l'ai loupé. Hop, on va utiliser l'ordi, les gars. Petit mail, tu connais un. Hein. Ouais, non mais je prends des notes. Bah juste, on va reply. Hein. Merde. Un petit document là, vous, voilà, très bien. Petit café. Receiver sale. Juste GG. Voilà. Allez, ça bouge tranquillement. Hein. Oh là 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 là. Je dois aller nourrir Luna, les gars. Je dois aller m'occuper de la petite chatte. Elle est au sous-sol. Les petits chats. Hop, j'appelle l'ascenseur. Tu vas te coucher? Bonne nuit. Attends-moi pour l'ascenseur. Oui, bah oui. Je t'attends, je dois aller nourrir Luna. Shonzi, tu descends avec nous? Oh non, il aura pas le temps. Allez, tant pis, il aura pas le temps. Chercher du PQ là. Attends, par contre, les barres. Hey! T'as cherché du PQ là? Ouais. Ça bosse, t'es sûr de toi? Oh là là, ouais, bah attends, t'es plus manager, hein, c'est fini ça, cette histoire. Non, pardon. Attendez-moi. Ok, c'est bon. Non! Ah, mais non, mais je dois la nourrir! Merde! Nourrir, c'est. Il faut la bouffe! Bah, t'as pas pris. Ah oui, il faut la bouffe! Bah, ouais, mais non! Ah, bah, oh, bah t'es bien au courant, toi, avec ton PQ, là? Bah, ouais. Bah. Mais là, on se fait massacrer par les feignants, là! Ouais. Comment ça, on? Bah, on se fait massacrer. Bah, moi, je suis spécialiste, on se fait massacrer par les feignants! Okay, regarde la barre, là-haut! Ça, là, faut que j'aille mettre du PQ, là. Ah, oula, c'est chaud, là! Ouais, c'est chaud. On va aller très rapidement mettre le PQ là. Va mettre le PQ très vite, mon frère. Attends, mais le problème, c'est que toi, t'es descendu sans avoir de bouffe pour le chat. Bah ouais, ça a cassé couille. Attends, je vais aller chercher le chat très vite. Tu nous as trollé là. Bah non. T'as l'air bien au courant, toi, putain. Allez, ça bosse, hein. Le chat, c'est moi. Personne qui s'occupe des chats ici. Ouais, non.
On va se faire ramasser les gars, on va perdre. Faut virer quelqu'un là. On va perdre. Ah là oui hein. Y'a le feu. Oh le Xav qui a lancé un raid. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah ça fait trop chier que Xav crache tout le temps envie de miauler. Putain merde. Toi aussi tu dois le nourrir? Ouais je dois nourrir Luna. Bah pareil. Bah j'espère que ça va nous sauver ouais, hein, sinon on est mort. Xav il est... C'est Domingo, il est suspect. Domingo il est bizarre, ça fait 15 ans qu'il est là. Ok CPA c'est sûr. CPA c'est obligé. CPA. Et pourquoi ça remonte pas la barre là? Attends Jordan, ça va remonter un peu la barre non là. Ça devrait remonter légèrement la barre. Bah non même pas. Ça remonte pas frère. C'est que c'est de merde. Je comprends pas là, on se fait ken un peu là. Ouais on est en train de se faire attendre là. Tu dois ranger des cartons toi? Je dois ramasser une rame de papier. Ah mais t'as pas ramassé la rame là, t'as ramassé le carton là. Bah c'est ce qui est marqué. Enfin non, je sais pas. Tu dois juste prendre le papier qui est dans la rame. Bah comment je fais pour la prendre dessus? Ah oui. Tu appuies, tu fais attraper la rame. C'est vrai, bien vu. Mais allez, poussez-vous mon papier. Non, mon papier. Mon papier. Non, on nourrira coucher dedans au moins, ok? On a une rémission. Ok. Voilà, là, c'est chaud là. Qu'est-ce que ça branle quoi là ici là? Bah là ça va. Bah nous aussi on en vient avec Sakor, on a nourri en bas mais ça remonte pas la barre, allez bonne chance hein. Ok bordel, je vais la poser là. Viens ils font la fête ici là. On va l'arrêter oh. Ça remonte un peu, j'attends mes prochaines tâches hein. Il est menti quoi. Eh bien joué en tout cas pour rien à dire. Putain, on a dû remonter avec Sakor, truc de spécialiste, hein, je sais pas ce que... Vous jouez bien là les méchants PA, hein, GG. Hein. Mais pourquoi Sakor il a marqué confirmation de vente dans les mains là? Ah bah tenez, je l'en ai avec qui c'était. Hop. Oh le gars suspect. On déchire là devant moi comme ça au moins. Oui, ça va toi sinon? Ça va super. Oh là là. Bah c'est j'en avais besoin, c'était pour la mission jeter un déchet donc c'était considéré comme un déchet. Après si tu bossais mieux au lieu de faire le suceur hein, j'aurais pas besoin de faire ça. Ouais bah vas-y alors tu peux y aller. Tu peux y aller. Le manager s'occupe de quelqu'un là. Qu'est-ce qui se passe là? Il est où Loan? Loan écoutez-moi bien. Très bizarre Domingo deux fois qu'on le voit traîner dans le bureau faire ce qu'il veut. Il a mis un virus sur l'ordinateur. Calmez-vous. Il faut virer quelqu'un. Faut virer un fainéant. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le manager. Je pense que Domingo est suspect. S'il vous plaît. Oui, oui virus. Prenez une décision ou c'est la PC? Merci, monsieur le manager. 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 Attends, je reviens, on va faire un meeting, on a pas le choix. Manager, attendez, faut que je vous fasse signer un papier. Manager, je vais devoir signer un papier. J'ai fait signer un papier. Vous pouvez me signer ça, manager, ou pas? Très suspect. Vous pouvez, oui, bien sûr. Vous pouvez me signer ça ou pas? C'est un très bon manager. Petite poussée d'abord. Ok. Il fait rien pour nous montrer l'exemple. Ah bah, c'est personne ici, monsieur. C'est personne ici. J'ai réglé internet avant de partir. Oui, bien sûr. Non, d'accord. T'as débranché et rebranché, non? Non, j'étais. Oh bah je le pose là, hein, mon truc. Je le lâche là. Hop. Ouais, on est allé nourrir Luna. On est allé nourrir Luna ensemble, c'est vrai. J'ai rempli le PQ. Comment ça? Bah nous aussi, on a. Bah c'est normal, tout le monde a ses missions. Même les méchants, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, pourquoi t'as mis mon papier à la poubelle, Gigi? Déjà, c'était quelle mission? Bah c'était la mission prendre un déchet, le jeter. Et comme Sakor a jeté le truc, je l'ai pris en tant que déchet puisque j'avais le petit truc violet qui me disait que c'est considéré comme un déchet. T'as d'autres questions? Non, bah tu as très bien répondu. Voilà, je préfère ça. Un peu de tenue, un peu d'ordre. Sakor, comment ça s'est passé là depuis tout à l'heure là? Parce que tu m'as mis un petit mail et puis après t'as fait quoi depuis tout à l'heure toi? Bah moi j'ai commandé des rames de papier, j'ai commandé tout plein de trucs, des bureaux aussi parce qu'on était en manque de bureaux actuellement dans le bureau. J'ai rempli un petit peu le papier toilette aussi et j'ai été nourrir le chat. Chose très importante parce qu'elle avait faim. D'accord. Twix de ton côté? Oui. Eh bien ici ça a commandé du keyboards, il y avait des problèmes de keyboards. Après on m'a volé ma souris. Et puis juste derrière, j'ai été me prendre une petite tasse de café, on a été nourrir les chats avec Shonzi.
D'accord. Et okay. J'ai refill le PQ aussi, évidemment. Ok, d'accord. Sean, de ton côté ? Ouais, bah écoutez, je vais commencer par la fin. On est allé nourrir des chats avec Twix, moi, Rakouche, Luna. Et avant, c'est vrai que voilà, c'est un peu en amont de notre réunion que nous avions cet après-midi, mais je tenais à vous dire que nous avons signé le gros contrat dont je vous avais parlé. Bah, ça, c'est parfait. Voilà, et je suis allé le signer. Donc voilà, je viendrai dans votre bureau pour la commission me concernant. Mais de très bonnes nouvelles, donc ouais, un bon travail. Ah, bon travail, merci. À Domingo, oui, qui lève la main depuis tout à l'heure. Oui, mais j'avais qu'une hâte que vous m'interrogiez. Eh bien non, bah écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait un peu de rangement ici, dans votre bureau. Ensuite, je suis allé faire un peu de rangement au sous-sol. J'ai nourri derrière le chat. Et puis c'est vrai que j'ai eu cette interaction avec Sakor et Jiraya, sans pour autant les incriminer, mais sur le papier que je dois déposer dans votre bureau, qui malheureusement est fermé. Enfin, j'en suis là. D'accord. J'en suis là, moi. Ouais. Ok, d'accord. Je trouve ça bizarre que c'est le seul qui s'y déblase ici. Moi, très simple, patron, vous allez être fier. On a commencé très fort la journée avec une grosse vente réussie. J'ai évidemment tout mis sur votre bureau, hein, vous avez pu le voir. Et puis, on a renvoyé un mail au client pour confirmer la vente. Je vais aller nourrir Luna, parce que bon, on n'a pas envie qu'elle meure, hein, ces petites chattes. Avec mon ami Sakor qui a bien bossé aujourd'hui. Et puis, vous voyez derrière, j'ai le petit dossier qui est par terre. Il faudra que je vous fasse signer juste après, hein, parce que sinon, ça va être compliqué pour la prochaine vente. Hein. D'accord, ok. Pour l'instant, le seul qui m'a pas fait signer grand-chose, j'ai l'impression que c'est Sakor, non ? J'ai placé un document sur votre bureau, moi. D'accord, ok. Ah, les chats sont bizarres. 7 secondes. Je pense que Domingo est bizarre. Hein. C'est des gros chats. Mais il se passe rien. J'ai du boulot, monsieur. Hein. Non, tu peux le dire à la personne. Là, c'est la merde pour les spécialistes. Tiens, il vient de le dire, c'est la merde pour les spécialistes. Il vient de se dévot. Il vient de se dévot, c'est la merde pour les spécialistes, il s'inclut pas dedans. J'en étais sûr, t'as jamais été avec nous. T'as jamais été avec nous. T'as jamais été avec nous, salaud. T'as quoi à faire de beau, toi ? Salaud, va. Bah, je dois aller utiliser mon ordinateur, hein, putain. Il s'est passé quoi? Attendez là, mais il s'est passé quoi là? putain, c'est fait. Il a pas viré comme ça. Attends, mais Domingo. Non, c'est fait. Domingo, t'étais fainéant. Non, j'étais gentil, moi. Ah ouais? Merde, ouais. Mais putain, tu jouais vraiment le game méchant. Ah, moi j'ai chié sur les murs, hein, mec. Ah, mais attends, mais je rentrais dans les murs, je vois Twix en train de chier. Bah, gros, j'ai coulé 4 bronzes, brûlé 3 poubelles, fumé 8 clopes. Mais attends, mais Twix, c'est que j'ai nourri le chat. Personne l'a vu. J'ai nourri le chat, ouais. Mais vous avez speedrun parce que. Bah, à un moment donné, j'ai pris une boîte de trucs pour chat et voilà. En vrai, les fainéants boostés, c'est trop dur. Hein. Ah bah là, la barre est allée trop vite. C'est descendu tellement vite, quoi. C'était hallucinant. Ouais, parce que surtout que je pensais que comme la barre. Ah bah, il y avait une petite chiasse ici. Hein. Et attends, parce que le Xav, je le vois déco-reco en boucle là depuis tout à l'heure. Ouais, il m'arrête, il a coupé son live, j'ai l'impression, non ? Il a l'air d'être en PLS, le pauvre. Ah. Ouais, les gars. Peut-être qu'il réessaye, je sais pas. Parce que j'avoue. Mais en vrai, le jeu. Par contre, honnêtement. C'est dur, c'est dur. Et tu vois, genre, c'est trop dur. À 20, honnêtement, je vois pas comment en tant que manager. Non, c'est impossible. Impossible. Après, il faut virer des gens en compte-goutte, hein, tant pis. Et le truc, c'est que je savais pas, mais en tant que manager, t'as des tâches aussi, en fait. Ouais, t'as des tasks, et si tu vires pas les gens, bah tu te fais auto-virer, quoi. Ouais, bah là, à la fin, par exemple, la vérité, je savais pas du tout, tu vois. Donc je me suis dit, je peux virer quelqu'un. Au début, je me suis dit, Sakor. C'est dur, tu vois. Bah, le truc, c'est que c'était trop dur de trouver que ce soit Twix en vérité. Ah ouais, pour le coup, moi. Tu vois fumer des clopes en boucle. Moi, je pensais que c'était Domingo, moi. J'avoue que. Pour le coup, j'avais aucune tâche de papier et tout, des trucs comme ça. Après, tu peux te les inventer, hein. Bah, en fait, ouais, le truc, c'est que. Ouais, tu peux inventer. Après la réunion, moi, j'ai eu un truc où je devais voler une souris et tout. Comme même quand t'es gentil, entre guillemets, tu peux avoir des tâches, justement. Ouais, un peu tricky. De fainéant, c'est technique, quoi. L'assistant doit surveiller vu qu'il a pas beaucoup de tasks. Ouais, mais l'assistant, t'es même pas sûr que ça soit un gars safe, quoi. Bah oui, ça peut être aussi un imposteur. Mais j'avais même pas d'assistant. Oui, mais après, tu pouvais. C'est quoi l'avantage de l'assistant, en fait, par rapport à un normal? Bah, en fait, t'as moins de tâches. Et du coup, tu peux. Ah, tu peux rapporter un peu ce que tu vois. Ok. Est-ce qu'il revient le Xav? Je sais pas si je vais lui envoyer un petit message. Puis c'est quoi comme. C'est peut-être la vérité, moi j'avais un problème à un moment donné comme ça sur des derniers processeurs. En gros, ton processeur il était genre trop haut, tu vois. Et à chaque fois que tu lançais le jeu, bah
Dès que t'arrivais dans le jeu, ton processeur, en gros, le jeu il se mettait en mode safe, tu vois, et ça te quittait le jeu. Ouais. Ah ouais. Bah ouais, je sais pas si son. J'ai eu ça pendant un moment. Son proc est en train d'hurler peut-être. Crie. Ouais, je crois. Ah, j'ai entendu. J'ai entendu crier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, le Xav? Salut le boss. Ah, j'ai tout quitté. J'ai fait 2-3 marches, 2-3 courses. Non, en vrai, je sais pas. Tu crois que j'ai essayé de quitter le live, peut-être qu'avec OBS ça crache, je sais pas. T'as redémarré ton PC, ouais, t'as tout redémarré. Ouais, j'ai tout redémarré, j'ai réinstallé le jeu, j'ai. Oh là là, bah alors là, je vois pas comment ça marche plus. J'ai pas tenté une autre map dans le doute. Si on peut, la dernière, on l'a fait. Non, la map qui fait crash. En fait, c'était les deux, c'est deux maps qui ont fait crash, donc. Vas-y, je vous avais invité. Est-ce qu'on se change les règles? Parce que c'est vrai que c'était rapide là. Là, la barre, elle s'envolait là, Twix, il en sachant qu'il était seul, hein. En plus, ouais. Et GG, hein, que... GG Twix en tant que feignant seul, pff, hallucinant. Bravo, bravo. Ah, merci. Hein. Oui, je suis désolé, Twix nourrit le chat, quoi. Je fais un peu de démineur et c'est tout, quoi. Mais en vrai, il n'y a pas 5 personnes qui peuvent nourrir le chat, même si c'est des missions. Enfin, c'était impossible, quand même. Mais en vrai. Ah, nourrir le chat, j'ai une petite frayeur. Moi, j'avais vraiment nourrir le chat, hein. C'était. Mais bon, on était à la vraie mission. Ah, vous avez vraiment la mission, ouais, moi aussi. Bah oui, bah je serais pas allé pour le fun. Mais même moi en tant que manager, je l'ai eu, hein, si jamais. Et en plus, surtout que tu sais, avec Sakor, on descend, on nourrit le chat en se disant putain, ça va sauver la barre, et la barre elle remonte pas. Donc je me suis dit, bah il se fout de ma gueule. En fait, un bronze de Twix, ça change tout. Ouais, bah je pense que Twix il était là pour abattre, il a détruit les chiottes. Il est lourd le bronze. C'est ce qu'on m'a souvent dit, hein. J'ai juste invité, qu'est-ce que vous voulez tester? On avait 10% en fainéant, 7% en spécialiste. En fait, j'ai l'impression que si on met l'inverse pour les janitors, je pense, non? T'as dit quoi, Sakor, pardon? Pour les productivités par déchets ou quoi, je sais pas, ça c'est les trucs, tu vois, les tâches de janitor là. Ça peut donner des pourcents aussi. Comme ça, le mec peut choisir de foutre la merde ou d'aider les gens, tu vois. Ah, vas-y, bah, je mets à 10%. Inverse, 10 spécialistes et 7 imposteurs. Ouais, mais j'ai l'impression que du coup, les imposteurs sont morts, quoi. Enfin, en vrai, si c'est la durée de la réunion, un truc plus court. Ah mais le problème c'est qu'en fait en gros c'est trop dur de savoir qui fait, parce que tu vois, sur Among Us il y avait quand même le délire où si tu passais par quelques trucs, si tu faisais rien, bah c'était grillé, tu vois. Là franchement, voir un mec qui fout la merde, c'est dur, hein. Mis à part si tu le vois littéralement foutre le feu à la poubelle, bon. Ouais, mais le gars peut te dire, ça peut être sa tâche d'aller boire une bière, d'aller machin et tout, donc non, après boire une bière, je suis pas sûr, hein. Non, après ce que en manager, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller sur le PC des gens et checker les mails et tout. Et du coup, tu vois si vraiment il y a eu en effet des commandes et compagnie. Ça, c'est des vrais trucs. Ouais, si genre bluff, tu dis j'ai commandé ça, machin, et qu'en fait, il n'y a rien sur le PC, bigito, quoi. Okay. Et en fait, tu peux aller check. Et en fait, à un moment, moi, quand j'étais manager, je suis allé voir un peu tout le monde, sauf Loan, et que c'était lui, parce qu'il avait son PC full virus et plus de souris, donc tu pouvais même plus le débug. Et je voyais vraiment Sean avec 20 000 commandes et tout. Et j'ai voté parce que je suis teubé. Voilà. Parce que t'as regardé mon mail, mais mon mail il datait de tout le début de la game. Je sais pas, moi j'ai envie de te croire. Prochaine fois, j'ai pas dormi, quoi. Je me dis peut-être 7-7 au lieu de 2-2, comme ça au moins ça ira plus vite. Mais apparemment, même en spécialiste, tu peux check les ordi des autres et regarder aussi. Hein. Ouais, c'est pas que manager, c'est ça, on peut tous se check, ouais. On peut tous se check, ouais. Vas-y, bah c'est parti. Let's go. Allez, j'ai la chef. Allez, pitié Xari, j'espère que ça va marcher pour toi. Pitié pour toi, Xari. Ouais, bah sinon c'est pas grave. Oh, il se flagelle en place publique. On sait jouer. C'est bon là. Map, j'ai tout compris au jeu là. C'est pas la même map? Ah. Oh la map, oh là là. Oh, la map de fou. Je suis manager. Let's go. Une petite clope là pour commencer. Là. Allez hop. Quoi? Attention. Attention au boulot, hein. Eh, moi en tant que manager, ce que je vous propose, c'est aller vous poser tranquille. Moi je suis un manager cool, hein. Je suis un manager cool, j'ai vraiment une politique très très tranquille, hein, les gars. D'accord. Manager, vous pouvez y aller, hein. Je vais juste aller au frigo, j'allais me péter une bière. Quelqu'un veut venir avec moi? Moi, chef. Chef, vous voulez boire une bière? Allez, bah viens, et on va apprendre à faire connaissance. J'aimerais bien si j'ai trouvé mon bureau, mais hop. Ça va venir boire une petite binouze, une binge. Je propose, hein. Voilà, petite binge. Bah ouais, petite binge, hein. Ma gueule. Bah écoute, à la tienne, hein. À la tienne. Hop. À la vôtre, messieurs. Hop. Moi j'ai du boulot. T'as du boulot? Bah écoute, quand tu viens, tu peux te péter une bière aussi si tu veux. Bah moi aussi je suis. Oh oh.
Et au final, hier, vous avez eu du bon hit quand même, du bon hitos. Ah bah, du très très bon hitos, ignoble 2-8. C'était génial, ouais, sur Duo Choc, c'était superbe, hein, je me rappelle. Mais bon, c'est là que je me dis aujourd'hui, quand je viens au boulot, c'est pour ça que je bois un petit peu pour oublier. Là, c'était très très dur, hein, ce qui s'est passé hier. Vous avez longtemps cette merde ou pas? Ah bah, je te. Hop, je sais qu'on a une femme de ménage, mais bon. On va mettre ça à la poubelle, hein. On va rester propre, civilisé. Voilà, c'est très bien, ça, c'est superbe. Allez. Tu peux vider la poubelle? Tu peux. Oh, tu me vides la poubelle? Je suis à deux doigts de te. Je vais travailler parce que bon, au bout d'un moment. Ouais, vous savez quoi? Voilà. Voilà. Ah, merci. Voilà. Ah, c'est mon poste de travail, je l'avais. C'est sublime. C'est sublime. Bon, allez, je vais au juridique, moi. On va travailler un petit peu, on va laisser voir tout le monde. Attention, c'est comment là, ça boit un petit cushion? Non, je cherche mon bureau depuis tout à l'heure. Tu cherches ton bureau avec... Le manager, elle tient toujours cette bière. Excusez-moi, excusez-moi, pourquoi là? Hop, Shuns. Qu'est-ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que je viens de voir? Mais attendez, vous savez que je viens récemment de... Il a été promu assistant. Et pourquoi vous prenez sa souris, vous l'achetez par terre, ce bon vieux Xavi? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais quelle souris? Attendez, mais attendez, je viens de vous prendre littéralement la souris dans le sac. Mais c'était pas moi. Mais vous venez de la jeter par terre devant mes yeux. Mais quelle souris? Je sais pas. La souris, la Xari souris jetée par terre devant moi. Mais vous comprenez qu'on voit. Attendez, monsieur le manager, quelqu'un a volé ma souris en ce moment même. Non mais attendez, c'est très très grave, Shunzi. C'est très très grave. Mais vous êtes complètement dingue, monsieur le manager. Mais vous venez de voler la souris. Vous venez de voler. Je suis outré. Quelle souris? Il y a un vol de souris de la part de Shunzi. Il vient de la jeter devant moi. Mais attendez, mais vous savez que je suis votre manager. Je suis votre N+1 et vous osez me mentir devant moi? J'essaie d'être honnête. Regardez, monsieur Xari, à sa souris, je n'ai rien. Le manager, j'ai quelque chose. Non, je l'ai récupéré. Il l'a récupéré par terre. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pardon, amenez-moi sa corde. Il était nul. Amenez-moi sa corde, alors je veux vérifier ça. Mais montrez-moi ça tout de suite. Manager, il vaut. Regardez ça, monsieur. Il joue au démineur. Je suis en train d'imprimer le Sale Forecast Analyst. Oui, donc le démineur, ça s'écrit Sale Forecast Analyst. Regardez, monsieur. Regarde, mais ça me tutoie, mais attendez. Et le serveur qui pète à ce moment-là. C'est les conditions de boulot, ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ridicule. C'est où les serveurs? Ils sont où les serveurs? C'est ridicule. Mais qui m'a foutu une équipe pareille, hein? Putain, je vous le demande. Allez, hop, le résultat. Je dois le faxer. Monsieur le manager, j'ai besoin de vous signer mon papier. Écoutez, j'ai d'abord un fax à faire. Je vous trouve un peu dur après avoir joué au démineur toute la journée quand même. Hein. Écoutez, est-ce qu'on peut bosser réellement ici ou pas? Il y a un papier à faire signer. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je signe? Parce que ça c'est le papier que je viens d'imprimer. Ça. Merci. Je vous signe ça. Pardon? Je crois qu'il a pris le papier que je venais d'imprimer. Bah vas-y, faites-moi signer aussi. Vous voulez que je vous signe? Ici, là. Vous me le jetez par terre, vous prenez pour votre clébard. C'est pas le bon en fait ça. C'est très pardon. Ça, c'est celui de... Il y a une dinguerie avec. Je vais le mettre sur mon bureau. Tenez, celui-ci, monsieur Jiraya, j'ai besoin de vous signer. C'est très bizarre, laissez-moi en référer à qui de droit. Tenez, j'ai besoin que vous signiez ce papier. Ouais, je vais vous signer. Mais pourquoi vous me le jetez par terre? J'en ai marre. Je peux pas le mettre. Bah, ne bougez pas, je vais le signer. Mais ramassez ça. Pardon, allez-y. Je vais vous fesser un peu. Signez-le. Ouais, bougez pas, je vais le signer. Hop, mettez-le par terre. Mettez-le par terre. Non, pardon. C'est complètement fou ce qui se passe. Domingo vole les documents des autres. Hop, je vais le signer. Merci. Et là, on peut le mettre sur votre bureau. Et c'est bon. Attendez, il y a un vrai problème de vol de documents là. Excusez-moi, mais qui vole les documents de qui? Je vais devoir convoquer une réunion. De voler les documents. Ça ne va plus la productivité. Tout va à volo. Oui. Je peux mettre ça dans votre bureau? Bien sûr, allez-y. Xari, il a mis le feu devant mon cul. Devant moi, Xari. Il est piégé sur la souris. Je suis Loan. Vite, allez, éteindre le feu, qu'attendez-vous? Éteignez ça! Je l'ai vu! Éteignez ça, bordel! Non mais, excusez-moi, Xari! Mais je vais vous mettre assistant! Êtes-vous pompier pyromane? Enfin, mais c'est complètement dingue cette histoire! C'est complètement dingue! Il me faut un virus, il demande un virus! C'est loin donc le coupable. Les autres, hein. Est-ce qu'on peut travailler maintenant? Mais non, je ne peux pas travailler. Je demande une conférence, je demande une réunion. Allez, hop, le manager vous a appelé. Vous avez bien vu, j'étais le premier, Jiraya.
Oui, j'ai bien vu Sakor. Malgré vos parties de démineurs, est-ce que tout le monde est là? J'avais besoin de me reposer parfois. J'ai l'impression que tout le monde est là. J'aimerais commencer avec vous, Sean. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé de prendre cette souris à Monsieur Xari? Alors, j'ai été piégé, je sais pas qui, mais je suis arrivé dans une situation où on m'a jeté une souris dessus et j'ai été accusé. Et vous voyez bien que depuis tout à l'heure, je travaille. Non. Je n'ai pas vu votre travail. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai vraiment pas vu. J'irai voir sur votre PC après. Monsieur Sakora, je n'ai pas trop de questions. Je vous fais mi-confiance pour l'instant. Pardon, Xari, j'avais placé une confiance absolue en vous. Je vous ai nommé assistant. Twix, je sais que vous levez la même. Attendez, vous êtes très bien. Je vous ai nommé assistant. Que s'est passé? Y a-t-il un bif avec l'OAM? Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais en train d'essayer de travailler. Mon ordinateur a été virusé, puis la poubelle a pris feu. Puis Lohan m'a accusé, alors que bon, c'est quand même très bizarre. Tout tourne autour de vous. Que depuis le début, je ne peux pas travailler et j'ai l'impression que Lohan m'a un peu en grippe là. Regardez, moi, avec sa tête de con là. Bah oui, mais qui me dit que c'est pas vous qui vous êtes auto-saboté? Lohan, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Enfin, déjà, j'avais plus de souris, enfin, c'est n'importe quoi. Sakor, enfin. Oh non, pardon. Monsieur Jiraya, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu jouer Monsieur Sakor au Déminor sur son PC. Oui, c'est ça, je l'ai vu ça. Pas loin, et je suis venu directement vous le dire. Ce qui s'est passé juste après ça, c'est que j'ai vu Xari qui me disait qu'il avait des virus sur son ordinateur et qu'il courait partout. Et après, il est revenu vers son poste de travail et il s'est arrêté devant la poubelle. Et là, je l'ai vu allumer quelque chose. Pourquoi j'aurais balancé Sakor qui joue au Démineur pour derrière balancer Xari si j'étais moi-même... Non mais c'était une blague justement, ça, tu fais rien depuis le début, t'essaies de faire virer ceux qui travaillent. J'ai vendu 27 C14 depuis le début de l'entreprise. Bah, j'ai fait un bénéfice aussi. De zinzin. Ouais, je sais pas, quelle tâche. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'informations sur vos tâches, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, serveurs sur le service. Allez, remettre le serveur, oui, je vous fais confiance. Monsieur Twix, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, absolument. Bah, je confirme avoir vu Sakor jouer au Démineur et je vous le dis tout simplement parce qu'il était vraiment à chier. Tout va bien, tout va bien. C'est vrai, ça j'ai l'information. C'est vrai qu'il était cadre. Bah, je courais pour vous prévenir et donc c'est peut-être là que monsieur Lohan a peut-être capté la même chose. D'accord. Domingo, monsieur Dimanche. Oui. Bonjour monsieur Manager. Est-ce que vous êtes agréablement sage aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à vous reprocher sur cette journée de travail, honnêtement, je dois le dire. Moi, j'ai eu des petits soupçons. Je dois avouer que j'ai mené une petite enquête interne sur Sean parce que c'est vrai que je l'ai vu très très actif autour de l'imprimante, etc. Parce que comme je vous disais, j'ai imprimé quelque chose et d'un coup ça s'est perdu. J'ai pas su c'était Sakor, c'était Sean. Et d'un coup je suis arrivé sur le PC de Sean. C'est vrai que j'ai vu bien allumé sur le PC alors qu'il disait qu'il avait imprimé un rapport. Excusez-moi d'avoir d'autres occupations comme m'occuper des chats ou sauver. Mais quelle erreur. Quelqu'un voulait un café? Quelqu'un veut un café? Non, Lohan, je vous le dis, vous nous avez fait mal à la confiance aujourd'hui et je préfère vous rétrograder. Je préfère vous rétrograder, tout simplement, vous m'en voudrez pas. Aujourd'hui, j'ai envie que vous taffiez un petit peu dans tout ce qui est conciergerie. Moi, je vous le dis, croyez-moi. Je vous crois pour la prochaine. Ah, monsieur le manager, moi, je vous recommande de surveiller Sakor. C'est Sakor et Xari. Pourquoi je vous aurais menti? C'est vrai. J'ai manqué de confiance, j'ai manqué de discernement. Hop, on va prendre ça. Boîte de rangement. Ramasser une ramette de papier. Et je vais remplir l'imprimante. Moi, ce sera fait. Parce que là, on se fait baiser hein, sur les tâches. Et j'ai reçu un truc. Allez. Consulter. Je vous écoute. Une réunion directement pour être plus tranquille. Oui, bien sûr, je vous écoute. Là, je vous écoute ça tout de suite. Commence à être compliqué, hein. Bien sûr, je regarde un petit peu les messages. Je vois que je n'ai pas de messages. J'ai des messages un peu bizarres de Sean, Domingo qui sont envoyés. C'est très bizarre. Moi, je vous le dis, vous pouvez me croire. Hein. Vous pouvez me croire aujourd'hui. Je peux vous faire confiance. Je suis payé une misère. Vous pouvez vraiment me faire confiance. Hein. C'est vrai que vous avez l'air d'être quelqu'un. Je suis obligé d'aller de convoquer tout le monde encore une fois. Hein. Excusez-moi. Est-ce que je peux Je peux vous écouter. Xari est très suspect, hein, effectivement. Non, mais j'arrive dans la salle des serveurs, je le vois dedans et d'un coup ça coupe. Xari là, c'est... Vous parlez de Xari, ça fait deux ou trois fois. Attendez, mec. Je démarre une nouvelle réunion, il y a beaucoup d'arguments à charge hein, contre cet énergumène. Je pense que si c'est pas lui, ça pourrait me virer, mais là c'est bizarre. Non, c'est très bizarre, vous avez raison. Il vient de couper les câbles devant moi, monsieur. J'ai l'impression qu'il ne veut même plus. Il ne veut même plus se défendre. Il est où? Alors, vous voulez plus vous défendre? Bah, on vous attend. Bonjour. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup d'arguments à charge là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 c'est ça votre défense? L'entièreté du crew vous pointe du doigt aujourd'hui. Je suis désolé de vous dire que. Loan. Voilà. Pas de ça chez nous, il n'aura pas de défense. Reprenons les activités. Allez, allez, l'émission et au boulot et que ça bosse bien. C'est bien les gars, c'est bien les gars. Il y a une belle confiance. Loan, je peux vous parler dans mon bureau quelques instants? Ouais, bien sûr, pas de problème. Ok, allez. Alors Loan, je tenais déjà à vous dire et présenter mes excuses les plus plates pour cette mauvaise erreur. Mais je trouve que le bleu de l'uniforme vous va bien mieux aujourd'hui. Merci. Ce que je vous propose, c'est que moi je vous apprécie énormément. Cherchez un peu sur mon bureau, normalement je sais que vous avez repris la clope là, vous kiffez un petit peu. J'en ai chargé une si vous voulez, je vous invite à fumer un petit coup avec moi. Mais je la trouve pas, il n'y a plus de clopes. Il n'y a plus de peuclos, normalement j'avais tout remis. Ah merde. Si, bah alors attendez, je vais vous en donner une. Que je range vos classeurs. Ah bah je le permets avec grand plaisir. Hop, bah vous savez quoi, je vais vous en donner une. Il jouait vraiment au démineur. Il jouait au démineur, il est très bizarre. Hop, petite peuclos en bas. Hop, cher ami. Bah au final, bon, j'ai un. Voilà, le job est pas fou, mais vas-y, si on fume, je peux fumer des clopes, ça va. C'est bon, ça va, ouais. Juste, bah, je vous autorise à fumer. Va, je vous autorise à fumer, évidemment, dans le bureau. Vous êtes le seul autorisé ici. Hein. Ouais, merci. Vous êtes le seul autorisé ici. Il n'y a aucun souci. Hein. Et puis, pour la paye, hein, vous gardez ça pour vous, mais je vous mets un bonus par mois, 500 de plus. Hein. Merci. Moi, je vais essayer de regarder un peu sa corps là. Je reviens vers vous. Ouais, ouais. Bah, revenez vers moi, ça marche. Merci. Hein. Ouais. Pas de soucis. Bon bah super, moi je vais m'allumer une clope aussi. Merde, j'ai verrouillé. Ah. Oh là, vous me dites, oh mais qu'est-ce qui. On est si proche que ça. Oh putain, je renverrouillot, je devrais déverrouiller, c'est bon. C'est bon, c'est sublime. Bah, je pense que t'es obligé de les faire. Oh là là, qui est-ce qui a mis ça ici? C'est dégueulasse. Ah, sinon c'est trop facile. Ça me donne envie de chier. Non mais c'est quoi tous ces. Excusez-moi, Sakor, qu'est-ce qui se passe? J'en ai beaucoup là. Ah oui. Merci. Je vous mets assistant, je vais voir. J'ai envie de vous voir travailler sous pression. Excusez-moi Twix, le manager a mis sa corps assistance sans vouloir. Je crois qu'il y a. C'est pas une super décision. Hein. Non, vous savez pourquoi j'ai fait ça Twix? Très bonne décision. Allez-y. C'est pour le mettre sous pression. Et il faut le pousser à la faute. Regardez, la productivité est en train de remonter. Si malin, c'est pour ça. Ah bah écoutez. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une souris? Je viens de retrouver une souris. Excusez-moi, je vois Xari sur Marvel Snap. Bah écoutez, de toute façon, il n'est plus de ce monde. sa situation ne m'intéresse plus. Il a tiré l'équipe vers le bas. Ouais. C'est le manager. Oui. Il y avait un démineur de lancer sur l'ordinateur de Twix. Excusez-moi, monsieur Sakor, je me permets de dire CSC. Non, regardez-moi. Inexplicable. Ah bah, inexplicable. Tout de même. Là, on est sur quoi là ici, non? C'est imprimé? C'est le poste de qui c'est? Le document est imprimé. Attends, c'est le mien là, mais j'ai des trucs à faire là. Ouais. Bon, je vais vous laisser faire hein, quelques instants. Les toilettes, ça m'a l'air d'être bon. La productivité est en berne, ladies. Comment ça se passe pour vous, Twix? Ça bosse bien? Oh, ah, petite, oui. Petite confirmation de vente imprimée là. Très bien. Je tiens à vous dire tout de même que votre collègue Sakor a fait un petit CSC. Voilà, il vous a dénoncé en disant que vous étiez en train de jouer au démineur. Ah, très bizarre, monsieur, très bizarre. Hein. Très bizarre? Ah oui, très bizarre. Bah regardez, je vais vous donner le contrat. Ok. Il y a le feu! Allez, qui a mis le feu dans mon bureau? J'allais. Ben merci, Shones! Mais qui était là? Qui était là? Ce n'est pas Twix, j'ai l'information, Twix était avec moi. Qui est sorti du bureau en ayant mis le feu? Vous voyez Domingo, monsieur. Domingo. Je suis passé devant à côté, je dois avouer. Je vous cache pas que j'ai bu une petite bière et que j'avais du mal à redescendre. Il y avait le feu, bière. Il n'a pas sûrement de la chouffe, sûrement de la chouffe, je vous le dis. Bah, vous avez bu une bière, déjà c'est très suspect et en plus vous sortez du bureau et il y a le feu. Alors, on a pas j'étais pas dans le bureau parce que le bureau était fermé. Ah, le bureau était fermé de l'intérieur? Parce que moi je devais aller chercher le résultat et là d'ailleurs je vais en faire une copie de ce petit résultat si vous voulez tout savoir. Mais, alors si ça veut dire que si le bureau était fermé vous n'avez pas pu rentrer, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur? Ah, c'est vrai ou que ça a été fermé par quelqu'un sinon? Non non non, c'est forcément de l'intérieur ou alors c'est une pure invention de votre part. Ah peut-être, mais dis donc, vous êtes mentaliste. Excusez-moi, mais êtes-vous John Le Rouge? J'aimerais savoir. Essayez de jouer un petit peu avec mon esprit. Ça en vrai en face. Ouais. Bah écoutez, je vais tout simplement vous suivre pour voir si la productivité continue de chuter. Alors ça, c'est pas le bon truc. Alors moi, j'ai un appel de la nature, je vais juste couler un bronze, hein, je reviens. Ouais, je vais juste mettre un peu de gelée.
bah ça fait nuit hein. Hop. Ouais, je vais aller suivre un petit peu les petits potes. D'accord, ça se passe bien pour vous? Ça se passe, j'essaie de regarder un petit peu, je peux vous le dire tout de suite, c'est très suspect. Très suspect, voilà. Monsieur le manager, j'ai besoin d'une petite signature s'il vous plaît. Bien, bien sûr. Je ne peux pas, hop. Allez bosser un peu. Voilà, merci. C'est pour vous, je vous le lâche. Allez épingler tout ça. Oh là là. Bon, il va. Ça va très bien, je vois que... Bah, c'est bizarrement, à chaque fois qu'on discute, la productivité remonte. Il se trouve que c'est quand même une histoire. Il y a un petit délai. Je vous avoue que j'attends ma quête. C'est une histoire, ouais, je peux comprendre. C'est une histoire de timing. Exactement. C'est une histoire de timing, j'entends. Je vais ramasser un petit peu de papier. Waouh. Monsieur. Oui. Monsieur. Hop. Réunion de crise, Venez. Je suis en virus, j'ai vu Sean se passer, là il y a une disquette qui contient. C'est très bizarre. J'ai toutes les informations, Sean. Alors là, il y a une très très grave accusation à votre encontre. Apparemment, le poste de travail de Monsieur Domingo a été infecté. Il vous a vu partir et, pièce à conviction, une disquette infectée au pied du poste. Attendez, vous fichez de moi. Pardon. Non mais attendez, je vais être très honnête avec vous. Bah, je demande que ça. Exprès, après avoir mis le feu dans votre poubelle que j'ai éteint, il est allé lui-même infecter sa propre clé comme dans le tutoriel et vous croyez que c'est moi? Bah écoutez, je n'ai jamais dit que je croyais que c'était vous. Je vous pose tout simplement la question. Nous sommes des adultes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques pièces à conviction. Mais Domingo n'est pas tout blanc dans cette histoire, si je puis me permettre. Oui. Bah, je veux bien qu'on l'écoute aussi. Hein. Est-ce qu'on peut se souvenir du moment où votre bureau était en feu et personne ne savait que le bureau était en feu, que Sean savait déjà l'extincteur en main pour dire il y a le feu dans votre bureau, il y a le feu. Ah, c'est ce moment-là où vous êtes passé devant le bureau de Jiria et que vous l'avez pas éteint pendant que vous buviez une bière. Mais là, c'est vrai que regardez, d'ici on peut la voir. Enfin, je vais juste me lever pour voir cette disquette à côté de votre bureau. Vraiment, et vous étiez assis au bureau, je venais de loin. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est là, elle est belle, elle est très très belle. C'est fou. Bah, je vous propose d'aller tous voir, tous en cœur. C'est vrai, regardez, elle est ici. Elle est là, elle était là, elle était bien d'être prise, elle était ici, la pièce à conviction, elle était là, elle est plus là. Mais c'est pas vrai, elle est plus là. Mais ne soyez pas dupes, j'allais la jeter. J'ai été brillant depuis le début. C'est très bizarre. Trouvez quand même pas que c'est pas très bizarre de retrouver ça ici, Sean Z. Mais évidemment que c'est bizarre et je comprends que vous m'accusiez. Mais en fait, Sean, moi je demande qu'à vous croire, mais c'est vrai que bon, j'ai encore un doute sur Domingo aussi, mais je ne vous ai jamais vu effectuer une tâche. Alors, est-ce que vous avez regardé mon PC? Parce que Domingo l'a fait et il a rien dit derrière, parce qu'il sait que je suis innocent. Au tout début, c'est vrai que je l'avais fait, vous imprimiez des choses mais sans rien sur le PC, c'est déjà là où vous avez... C'est parce que j'ai rangé les documents. J'ai remarqué que vous êtes deux à m'avoir envoyé des mails aujourd'hui et il n'y a que vous et Domingo. Est-ce que c'est une manière de brouiller les pistes? Je vous ai envoyé un mail, moi. Oui. Je pense que Domingo se fait accuser lui-même pour vous croyez que c'est moi, après vous faites ce que vous voulez. Comment ça je me fais accuser? Vous m'avez envoyé un mail et il n'y a rien dans ce mail. Moi je... Les deux. Bah, quelqu'un était sur mon PC alors. Mais le manager, avez-vous le mail? J'aimerais savoir qui est le corbeau ici. Qui est-il? Vous m'obligez à prendre une décision, je suis obligé. Let's go. Pas mal, pas. Oui. On a enfin gagné une partie, Let's go. Il fallait poser les bonnes questions. Bravo, bien joué. Let's go. En vrai, les c'est monté très vite la barre. Ouais. Ah, j'avoue, PA, il avait un timing à chaque fois que je lui parlais, ça a monté un peu. Ouais. j'aimais bien en jouer. Oui. Putain, j'ai réussi à choper Loan dans ma mort, quoi. Mais putain, c'est toi. En fait, Xav, on a partagé dès le début une bière en tant que manager cool. Et je me suis dit, non, il m'a pas fait ça dès le début. Alors que si. Je le suis vite fait, tu vois. Je le suis.
je le vois foutre le feu devant moi. Mais je pensais pas qu'il y avait un mec qui me suivait, ça me casse les Et ce qui me fume, c'est que dès qu'il y a ça, bah, y en a un, c'est un des deux, tu vois. Donc j'étais en mode, bon, bah vas-y, Lolo, je suis DSL. Mais après, je me suis dit, quoi qu'il arrive, si c'est toi, Lolo, tu finis manager, enfin, tu finis concierge. Et je me suis accusé. J'avoue que par contre, oui, après, voilà. Moi j'étais en fantôme, c'est un peu moins marrant, quoi. Hein. Oui, ah, voilà, c'est ça. Ça non, mais c'est là où je disais, je pense que on stream les games à 20. C'est, tu vois, ah ouais, attends. C'est, tu fais une game de ta soirée, c'est ciao. Mais en fait, une game à 20, je pense que c'est loup-garoutière, quoi. Tu sors dès le début, t'es en mode, yo les gars, je pars sur Marvel Snap. Non, tu sors en premier, ça va, parce que t'es Yannick. Le janitor, il fout le bordel aussi. Oui, vraiment, tu joues encore. Ouais, tu joues encore, c'est vrai. Tu sors en deuxième. Mais là, quand t'es en fantôme, tu fais quoi, Xav, du coup? Bah, tu suis les mecs, tu suis un peu les histoires. Après, en vrai, ça va. En stream, ça va, parce que tu peux suivre un peu les histoires. Tu suis les histoires des gars, ouais. Oui. Okay. Bah, moi, à un moment, j'étais à côté de toi qui était en mode ouais, Loan, tu veux pas une peu clos et tout, tu vois. Ah oui, bah. Une histoire de ouf. Bah, non, mais si je l'ai ramené, en fait, on a fait une petite réunion à deux et c'est vrai que j'ai présenté mes excuses à Loan. Hein. Et puis, bon, tu diras, mais c'est vrai que je lui ai donné 500 balles aussi de salaire supplémentaire, mais bon, bref. Merci. Pour ta famille. Ça a joué. Vous voulez en faire une? Bah, moi, je suis chaud. J'aime bien cette map, elle est pas mal aussi. Ouais, franchement, ouais, elle est sympa. Elle est mieux. Les chats, ils sont en pas fait, en bas. Ouais, ce que je veux dire, il n'y a pas d'ascenseur, on est d'accord là. L'ascenseur, il pète les couilles. Ouais, c'était chiant. L'ascenseur, c'est infernal. Quand tu m'as stuck en bas là, Gigi, et que j'ai tout mis sur le fantôme. Bah, on te voyait pas à la réunion, c'est terminé. Ah, en fantôme, tu peux pas remonter. Ah, c'est en bas, t'es content. Tu t'amuses quoi. Et juste, je me demandais, parce que moi, à un moment, j'ai eu full quête fainéant. En tant que spécialiste, tu vois. Mais même ouais, ça arrive aussi. Mais ça baisse du coup la productivité. Bah, ah ouais, voilà, on est d'accord, les quêtes rouges du coup. Pour moi, ça le baisse. Même moi en tant que manager, oui, j'ai eu. J'ai recoulé un bronze et tout. Du coup, on les fait pas. C'est-à-dire qu'il faut attendre mais avant mais de. Du coup, faut faire quoi? Que tu peux pas attendre. En fait, tu peux pas laisser passer. Après, c'est peut-être ce genre de quête. En gros, bah, peut-être fois, que t'es peut-être censé regarder les autres. Elle a disparu, mais je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas possible. Normalement, elle est censée rester parce que tant que tu la fais pas, tu passes pas à la suite des autres quêtes. Du coup, c'est fait exprès pour avoir les timers, je crois. Ça, ouais, mais c'était ça augmente, y a peut-être une réunion et du coup, je sais pas. Oh bon, d'ailleurs, on peut essayer aussi d'utiliser le vote contre le manager. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite boîte aux lettres en mode tu peux voter et ça. Mais ça c'est quoi l'intérêt en vrai? Bah, moi je votais, bah, juste tu veux prendre le contrôle parce que t'es target. Ouais, mais genre là, typiquement. Si tu donnes le contrôle à un mec qui est méchant, t'as perdu quoi. Ah, c'est le but, pas le méchant, il aimerait bien avoir le contrôle du coup. C'est ça le truc. Non, mais du coup, c'est quand t'es gentil, t'as très peu d'intérêt. Bah ouais. En tant que méchant, tu peux pas être manager parce que du coup, c'est toi qui vire les gens, tu peux pas t'auto-virer, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est une bonne question, ouais. Si le méchant devient manager, c'est pas possible, sinon tu gagnes en fait. T'es en mode bah à la fin, je teste un petit 7% tâche spécialiste et 8% pour les fainéants parce que ça a l'air dur quand même encore. Vas-y. Une fois, quand vous manque juste Xav, je crois. Ouais, t'es pas sur le jeu, je te vois pas comment. Marvel Snap, c'est pas. Mais ça c'est Snap. Parce que moi ça me met Snap. Snap. J'étais en fantôme, mais vu que tu prends là, j'étais en mode bon bah. Je l'ai inspiré à faire la petite histoire. Snap. Oh snap. Ouais. J'avoue que je pense que jusqu'à 10, c'est pas mal. Au-dessus, ça doit être vile. Au-dessus, en fait, au-dessus, c'est qu'en live, c'est pas viable. Ouais. Ça doit être très rigolo en live avec des viewers et tout, mais c'est vrai que si t'es éliminé, bon, bah. C'est... Ah bah, c'est le loup-garou, quoi. Allez, au bout. Au loup-bou. Oh, pas mal. Allez, let's go. Ouais, je me mets 2 secondes. Direct, toi, tu reviens très fort. Et voilà. Alors. Wow, déjà, mais attendez. Désolé, j'ai mis speak. Je voulais mettre une fessée, mais écoute, ça me fait plaisir. Ah bah super, bah les gars, les suceurs. Bah. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lécher le cul ou... Oh là là. Ouais, écoutez, je vais aller dans le poste de travail, moi. Je vais aller bosser un petit peu. Alors. Oh, on peut appeler ? Manager là, moi, tant qu'assis. Bah, excusez-moi, vous m'avez quand même recruté. J'ai passé un entretien d'embauche avec vous, donc excusez. Oh non, les serveurs. Les serveurs sont reconnectés. Jouer à Snake sur le PC. Merde.
Alors, c'est dans quoi tout ça? Ah, c'est sympa le manager en tout cas, hein. Ça fume, ça boit, rien à dire. C'est où? Ah, c'est ça. Let's go. Gagné. Okay, all good, all good. Ah, oh, dommage. J'ai pas été bon, les gars. J'ai pas été bon. Bon. Il est temps d'aller bosser. Hop là. Alors. Moi, ça, je peux le construire. Qu'est-ce que ça. C'est à qui, ça? C'est à moi, c'est à moi. Ok, c'est papier, moi. D'accord, c'est excusez-moi. Papier, ça vous dérange pas que je le mette à la poubelle? Ça me dérangera un petit peu, tout le monde. Bon, bah, je vous le jette par terre, alors. Parfait. Bah, on a pas un petit truc, là, jeter? Y'a du papier à imprimer. Y'a rien à y faire ici. Ah, nickel. Rien à faire perso. Bah moi j'aimerais trouver des... Vous avez pas des petits déchets là? Non franchement c'est trop propre en fait. On bosse bien ici. Je vais prendre ça tiens. Hop. Voilà. Pas de soucis. Sales report qui est arrivé. Pas de problème. Mais on a pas de... Ah là elle est là. Hop. Alors, on va retourner au poste. Hop. Bah, je vais essayer d'utiliser le téléphone pour voir si ça marche, les gars. C'est trop bien le téléphone en vrai. Ça a l'air stylé. Je vais voir si je peux appeler quelqu'un avec le téléphone. Prévision, on va voir ce que c'est. Hop. Ok, prévision de vente. On va faire une copie. Ah, ah. Ici, hein. Ça avance bien. C'est qui m'appelle? Bah, allô? 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 Tu portes quoi? Tu veux vraiment que je te dise? Ouais, je veux tout savoir. Bien là, actuellement, je suis sur un petit froufrou, un petit string léopard. Ouais. Et toi, t'es comment là? Bah, moi, je suis juste à ta gauche. Je suis au téléphone, Xario. Oh, oui, non, la commande, la commande, on refuse oui, de se faire des. Ah, non, c'est au revoir, monsieur, oui, je raccroche. Hein. Téléphone rose ou quoi aussi, hein. Oh non, bah attends, et tu connais les démarcheurs, ils font chier encore un 01 qui nous appelle. Comment ça nous emmerder, hein, ceux-là? Allez, hop. Ouais, quelque chose. Hop. Alors, je vais imprimer. C'était en train de. Je crois que de faire des trucs. Bon. Non, bah attendez, ça n'a rien à voir avec. Où est-ce qu'on a le bureau de Sean là, mon chef là, est-ce que ça. Allez, je vais aller ramasser. Tu veux une petite clope ou pas là? Ouais, allez, avec plaisir, avec plaisir. Ils sont en train de s'enculer. Hop, je vais prendre ça. Je ramasse. Ça, c'est le mien. C'est pas à moi ça. Ça, c'est à moi. Voilà. Faut que je fasse signer un Saccord. Oui, Saccord. Bonsoir, comment tu vas? Et ça va tranquille, les premiers. C'est bah super. C'est ton poste ici. Oh non, qu'est-ce que tu fais? C'est le poste. Ah non, c'est celui de Domingo. Et il me faut l'analyse de prévision des ventes. Bizarre. Hop là. Et voilà. Alors, moi, faut que je trouve Saccord pour lui faire signer un doc. Un petit doc. Voilà, je te le dis, quoi. Je te le dis. Hop, où est Saccord? Ah, manager? Manager, tu veux la musique juste devant moi. Je suis d'arrêter. Monsieur Schulz allait être licencié. Manager, il faut vous signer un. Faut vous signer un document s'il vous plaît. Laissez le papier. Signé. Merci beaucoup. Monsieur Schulz, que faites-vous ici là? Vous voulez ma souris? Voilà. Allez, Twix, Jones, reviens ici. Twix, faites un Shifumi. Ah, attendez, je dois imprimer quelque chose, monsieur. Ok, mais faites quand même un Shifumi. Je vais ramasser l'enquête client, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Twix, ok, 3, 2, 1. 3, 2, 1, Shifumi. Égalité. Ah, bien joué. Je veux pas décrocher. Personne ne savait. On va partir à bosser, ok? Si, ça bosse très bien, j'ai l'impression. Ouais, hop. 2 minutes. Désolé, minutes, vous mon cher chef. Ah. Saccord, mais c'était juste pour célébrer la vente de Xari. Oui, allô? Ouais, comment ça va? Pour que je puisse vraiment mieux le voir. Qui a volé les voilà. Dans l'imprimante, s'il te plaît, je vais avoir besoin de l'imprimante à zap là. Ah, ok, bah je vais essayer de pas la saturer, mais je dois envoyer encore un mail moi au support pic.biz. Eh, t'es obligé de bosser en criant ou? Bah écoute, tu sais quoi, on se dit dans 5 minutes, on se boit un kawa. Ouais, bah, ok, ça va. Bah on fait comme ça, ma Xav, allez à toutes. Salut man, alors c'est pas Xav par contre. Si, bah j'étais au téléphone avec Xav. Ah, ok. Oui, désolé, t'as cru que je te parlais, mais je te parlais pas, mon pote, voilà, je te le dis tout de suite. Ah bah, monsieur. Derrière, avoir 3 discussions en même temps, c'est quand même. C'est magnifique. Je vais vous échanger de bureau parce que là, j'aime pas trop cet endroit-là. Par contre, ça rigole. Mais pourquoi? Eh, mon poste de travail, qu'est-ce que vous avez fait?
Écoute, j'ai changé votre bureau de travail, désormais votre bureau sera par là-bas. Mais pourquoi ? Mais le mien aussi ! Monsieur ? Oui, le vôtre aussi, le vôtre aussi. Je ne suis changé légèrement votre bureau, Domingo aussi. Et quelle histoire ? Choisir votre bureau, monsieur. Ah, parce que Jiraya, il passe sa journée au téléphone, j'en peux plus. Hein. Non, mais attends, vous rigolez ou quoi ? Oui, oui, évidemment. J'avais mis un message comme quoi j'étais. Bon, bah, je vais aller remplir l'imprimante. Quelqu'un a hacké mon ordinateur. C'est celui qui désormais, monsieur. Bah, oui, bah, excusez-moi, manager. Ah, j'adore vos idées. Excusez-moi, manager, je me permets, mais si vous passiez plus de temps à surveiller les gens plutôt qu'à changer les postes, on n'en serait pas là, hein. Oh, ça c'est une irrespect. Ah bah si, bah je suis désolé. Manager, hey, manager, pas dictateur, attention. C'est bien dit ça. T'as vu la punch, la bête de phrase. Ah merde, faut la nourriture, faut que j'aille chercher la nourriture. Oh pardon. Oh bah attends, après toi. Elle est où la réunion? Et c'est là-bas. Oh putain, oui, la réunion, t'as raison, j'avais pas fait gaffe. On l'a réunion. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, présent aussi. Comment on fait pour lever la main? Qu'est-il en train de faire? Ah bah voilà. Xari, je sais pas si c'est un énorme bosseur ou... Énorme branleur. Je pense qu'il est en bossage là. Ouais. Ah ok. Pas bien. Bon. Je vais commencer, monsieur. Je vais commencer cette réunion en disant que j'ai été grandement satisfait du travail de la part de certains d'entre vous. Xari. Merci. Excellent travail. Merci, chef. J'ai ramené 22 000 dollars aujourd'hui de vente. Peu sur le travail, ah bah oui, attendez. Non, Xari qui a été employé modèle aujourd'hui. Domingo assistant, je sais pas si vous avez vu certaines choses. Moi, je sais que les deux suspects sont là. Voilà. Les deux suspects se sont mis à l'écart. Ouais, je me permets. Quand vous me demandez de faire des shifumi constamment. C'est parce que vous étiez en train de danser dans la cuisine. Je vais aller remettre les serveurs. Non, monsieur Jiraya, j'envoie monsieur l'assistant. Ah bah, excusez-moi, oui. Allez-y. C'est bien son travail, attendez. Bon, je ne peux pas sortir. Pour défense, quand je vous ai dit d'arrêter de danser dans la cuisine et vous avez continué. Pour ma défense, j'étais en pause, j'avais complété toutes mes tâches. Donc je me suis offert une petite pause, je voyais mon ami Shonzi danser, je me suis régalé. Mais pour ma défense, c'est exactement la même chose. Bah ouais, on est des employés modèles quoi. On a célébré les ventes de Xari. Ça va toi, Lohan, quoi. Ça a organisé les classeurs, ça a nourri les chats, ça a remis du PQ. T'as replongé aussi ou pas? Plus rien à faire, c'est exactement la même chose. Ah non, monsieur, tu me diras si t'as toujours ton gars qui te. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rallumé la musique quand vous avez. Ah, tu sais, qui te. Trois fois. Qui te file de la cristal, quoi. Trois fois, et. Non, c'est pas trois fois. Il est encore dans le coin. Ok, très bien. Et si ça marche, tu me diras après. Alors, dans ce cas-là. Il y a l'assistant qui nous regarde. Oh! Aïe aïe aïe, quelle horreur de perdre Shones. Mais on a rien fait. Ils ont rien fait, justement, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, bah du coup, ça a ramassé les déchets. Allez travailler, allez, tout le monde travaille, tout le monde travaille. Horrible. Un manager en mousse, je vous le dis, en mousse. C'est la nourriture pour chat qu'il me faut. Pour nourrir Luna, Loulou. Allez, petite binch, c'est l'heure. On va s'en mettre une dans le gosier là. Ah, tu te prends une binch? Ah ouais, bah toi t'as plus rien à perdre, hein, c'est ça? Ah ouais, foutu pour foutu, man. Ouais, bah, t'as la tienne, mon con, ouais. Allez, fais-toi kiffer en fait. Allez! Let's go! Fuck le management, yeah! T'as bien raison, mon pote! Ouais, je vais devoir aller envoyer des mails là, je te laisse là hein. Oh putain, oh la bière elle m'a tapé sur le coin du crâne cette binch. Oh putain. Moi ouais, ça va aller bosser. Au milieu de l'open space. Alors qu'est-ce qu'on envoie? Business Inquiry, c'est où cette merde? Un mail. Hop. Hop. Oh là, Inquiry, je send, ok, je dois imprimer les sales confirmation, oh là, il va falloir que j'amène tout ça au patron, c'est encore des conneries ça, putain, je te jure. Sales confirmation pour toi aussi ? Ouais, bah ouais, c'est bon document, ouais. Non, c'est le mien que t'as pris là, ok, merci, le mien, il est là. Voilà. Allez, sur le bureau du manager. Je dois faire tout le tour. Chez le patron. Je vais confirmer.
Shones. Il a pris les clés. Je vais laisser le papier par terre. Allez hop. Bah écoutez, on vient de signer un gros contrat, patron. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai mis dans votre bureau. Je l'ai mis dans votre bureau, c'est signé. C'est pour le business. C'est bon là. Merci, Vincent. Bizarre là. Monsieur le manager. Oui. Monsieur, la porte est fermée. Je vais juste demander à Shones d'ouvrir parce que je dois faire ma mission de méchant là, de remplir le café, boire le café. Ah, il fallait pas me virer dans ce cas-là, monsieur. C'est vrai, oui, Xari. Excuse. Rendez les clés, Shones. Je rendrai les clés quand vous me rendrez mon contrat de travail. Bloqué ici. Ah oui, d'accord. C'est bloqué, tout est bloqué. Attendez. Monsieur, c'est fermé là-bas. Mais on peut plus ouvrir. Ouais. C'est bon, c'est ouvert. Attendez, mais comment ça se fait qu'il y a une cassette infectée ici? Ah bah à votre avis que c'est quelqu'un était en train de se foutre de votre gueule. Monsieur Twix. Et j'étais derrière vous. Vous étiez devant moi tout à l'heure. Mais non, la porte était fermée. Mais je pouvais pas. Pourquoi passer. Toutes les portes sont fermées? Je dois aller. Mais s'il fait pas pitié, ouvrez-nous. Ouvrez-nous, ouvrez-moi moi là-bas, il faut que j'aille mettre ça. Ouvrez là, bah monsieur le manager. Oh là là, il faut qu'on aille faire des tâches avant qu'on explose. Où est le Xav? Où est Xari? Je sais pas hein. Peut-être que Xari est dans l'outre tombe. Hein. Ouais, je crois qu'il est dans l'outre tombe. Parce que... Saccord, vous devez me signer oui. Ça. Allez, hop là, tenez. Me laisser, Melouane. Allez sur mon truc, prends-la. C'est où moi qui vais te la prendre. Là je dois réorganiser le tiroir, je reviens les amis. Voilà. Le manager office. Je vais organiser vos tiroirs. Qui m'a volé ma souris, s'il vous plaît là. Patron, je vais organiser votre tiroir. Manager. Manager, je dois organiser vos tiroirs, hein. Je me permets. Hein. Oui, allez-y. Oui, non, mais c'est bon. Ok. Oh, je dois aller. Je vais aller sur mon poste de travail. Au secours! Au secours! Mais ah bah qui m'enferme à chaque fois? Mais on se fait tout le temps enfermer! Mais c'est trop chiant celui qui ferme! Changez de manager! Oh la réunion! Y'a quelqu'un qui enferme tout le monde, c'est insupportable! Venez! Oh la patron, là c'est n'importe. J'espère que vous avez eu l'œil, hein, parce que. Oui, je sais. Vous je savez. Je sais très bien qui est le coupable. Il s'agit d'un chauve. Comment ça? Aïe! Ah, pourquoi vous sentez-vous visé? Moi je me sens pas visé! Claque dans la gueule. C'est vrai. Ah, tu es chauve aussi, putain, merde. Eh oui, ouais, il y a bien chauve, autre chauve, il y a monsieur Jiraya le chauve. Alors, vous êtes sérieux? Ça se joue entre vous deux. Ah non, alors là. Vous est suspect. Alors, je vous le dis très sérieusement, monsieur Saccord. Je n'aurais eu aucun intérêt à tout saboter. Depuis tout à l'heure, je fais toutes les missions. Je vous l'ai prouvé à maintes et maintes reprises. Donc, ça n'a aucun sens de vouloir me virer moi. Je vous ai fait signer un nombre incalculable de papiers, je vous ai demandé la permission d'aller faire la mission dans votre management. Moi j'avoue que monsieur Lohan m'a convaincu, il m'a fait signer beaucoup de documents, je me doute que... Ah oui, moi j'ai pas arrêté. Il est irréprochable. Ah, néanmoins, monsieur, vous avez signé quand même, vous avez signé. J'ai même fait signer à votre assistant, et puis il y a l'affaire des disquettes où vous m'accusez. Moi, j'étais derrière vous. J'ai pas eu à signer, il m'a dit faut que je le fasse signer, au final j'ai pas eu à signer quand même. Bah oui, parce que vous l'avez pris. Désolé, c'est parce que j'ai besoin de nommer quelqu'un d'autre de confiance. Merci beaucoup, je pense effectivement, je prends la parole aujourd'hui. Je pense effectivement. Niveau, vous avez juste partagé des clopes en boucle. Je pense effectivement que. C'est juste un partage de clopes. C'est vrai que voilà. Si vous aussi. Du travail quoi. C'est pas un travail. Si vous. Si vous m'autorisez à pointer quelqu'un du doigt. Lui, tu peux plus le virer. Vous allez me virer comme d'hab? Je peux pas vous virer, par contre je vais virer cette personne, et oui évidemment. Et voilà, j'allais dire, Twix, on l'a dit, mais bravo patron, bravo. Allez, on est parti, allez on retourne travailler là. Allez, on y va. Allez, je vais aller ramasser un petit déchet. Elle est où la clope là? Ah non, je prends une souris. Petite peu clos ou... Allez, bouge. Je m'en fumais une hein, aussi. Hein. Hop là, merci. Ah, ouais. Là-bas. Ça va s'en fumer, ça va s'en cloper une ou pas les gars là? Eh, petite peu clos. Elle est violente, hein, celle-là, oh là. Ouais, elle fait du bien. Hein. Ah, tu peux signer pour moi ou pas? Y'a personne qui peut m'ouvrir ça, j'en veux. Ouais, tu veux que je te le signe? Ouais, vas-y, essaye. Mais... Non, c'est le manager, parfait, il est là. Ah, ok. Signer ça, c'est parfait. C'est bon, c'est signé.
manager, je vais tout simplement hop, aller jeter ça pour ma mission dans votre allez-y, bureau. Allez-y. Ouais, je te mets ici pour voir aussi. Jeter, voilà. Ouais, c'est pas mal. Ah. Elle est bonne cette clope ou pas? Oh, t'as un mal de crâne, toi, ça se voit direct. Hein. Ouf. Ah, c'est quoi? Plus d'ambition. Ouais, putain, mais en même temps, tu vois, t'as joué au con là. T'as pas été comme ça au patron. Hein. Dès le début, là, tu fais n'importe quoi et trop bien. Et ça va, les gosses? Non, ça va pas là. Depuis que j'ai plus le contrat, ils commencent à déjà m'enlever la garde. Putain. Ouais. C'est le début de la fin. J'aurais pas dû faire le con. C'est ton ex, ça, putain, cette salope. Ah, ça, t'es sûr, tu me l'avais dit, non mais tu peux le dire. Là, t'es sûr, c'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois. Alors ok, t'étais bourré, t'avais fumé deux cigarettes magiques, mais quand même, j'ai pas envie de te ramasser la petite cuillère tous les soirs, d'accord? Putain. Non, ça a aucun rapport, d'accord? Je t'ai déjà dit que c'était qu'une fois. Et c'était à la Jonquera, ok? Donc je vais te laisser ici. Ouais, la Jonquera, c'est ce qui a resté là-bas. Ouais, bah ça reste là-bas, mais bon, je veux pas qu'on s'embrouille. On va pas s'embrouiller à cause d'une gonzesse, je te le dis tout de suite. Fais gaffe, j'ai une clope, je suis pas à la fin. Ça marche. Bah écoute, c'est quoi, je vais te laisser là, je vais aller reprendre un peu le boulot, j'ai besoin de... Merci beaucoup. Oh la putain, j'ai été... Ouais, ça va super, attends. Ah, super. Hey, tu m'as foutu les nerfs, je vais aller voler une souris. Allez, vas-y. Et des bons Dane forecast. Hop. Session PC, quoi. Allez hop, ça va prendre ça et ça... Voilà. Bon, les amis, excusez-moi. Signé, moi je vous préviens tout de suite, je viens de jeter une souris ici dans votre bureau. Hein. C'est bon, c'est je vous le dis, hein, j'avais une mission de jeter une souris. Hein. Voilà, je le dis. Hein. J'ai le cœur sur la main. Patron, j'ai plus rien à faire. Est-ce que vous voulez que je surveille quelqu'un en particulier? Ouais, allez, Lohan, très bien. Non, mais toi c'est bon, toi. Oh, je suis good. Allez, on va vider les poubelles. Okay, très bien. Allez, qu'est-ce que ça va faire de beau là? Qu'est-ce qu'il fout, Lohan? Lolo, ça fait quoi là? Ah non, on prend de la gelée. Là, je dois mettre de la gelée sur la graffeuse de Sakor. Moi j'attends. Petit café toi. Petit kawa mon pote. Bois un café là tout de suite. Ça va me faire du bien ça, je te le dis. Hein. Après une journée de travail comme ça. Allez hop. Café. Hein. Mon PC là. Ouais Lolo. Quelqu'un est venu à play sur mon PC. Comment ça? Hugo, vous avez joué? Non, quelqu'un a joué. Bon, je suis revenu. Ah. Sinon, je l'aurais pas dit si c'était toi qui avait pas fermé. C'est en poste ça Lolo? Ça dit. Ouais, tu fais quoi un peu? Oh putain, tu viens de signer une grosse vente là. Ah bah oui, moi ça arrête pas là. Oh bah la vache, merde. D'accord. T'as pas à faire un petit hein? D'accord. Bah Lolo, je me permets hein. Bah Sean, il fait quoi sur mon PC? C'est ton PC ça? Comme ça on fait des games de Snake. Bah alors et... Bah attends. C'est qui qui a game là? Lolo, c'est toi? Non, moi j'ai pas game. Ça va se rapporter au boss ça? Bah ouais. Non, c'est lui qui était là. Moi j'ai jamais joué à ça. Bah attends, c'est bizarre. Bizarre quand même. Ouais. Jiraya, il joue pas à Snake. Non, moi je suis pas un joueur de Snake moi. Moi je suis là de toute façon, tu vois. Bizarre les joueurs de Snake. Non. Ah, c'était dommage. Putain, le bâtard. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas vu le time? Aïe. Il s'est passé quoi? Putain, j'ai pas eu le temps, je t'ai vu sortir des chiottes en fait. Bah t'as ouais, rempli la barre avec les chiottes. Bah ouais, avec les touches. T'as rempli les chiottes, j'ai le seum, j'allais tellement te virer. Ah je t'ai vu sortir des chiottes et j'ai vu la barre qui commence à descendre. Quel connard! Ah ouais! Bien joué, PA, bien joué! PA qui était un sneaky. J'ai eu l'impression que c'était infini quoi. Tu m'as balancé, enfoiré. J'étais obligé, t'étais cramé, j'ai l'impression quand même. Ah là, t'étais fini, Twix, mais là, j'avais commis cette tâche là. Non, parce c'était qu'on pas était bon, à la j'allais convoquer là. Mais Xav, la moitié à 40% et j'ai fait genre, j'ai bu une bière, je l'ai jeté la bière. Mais Xav avait crash encore ou pas? Vite. Ouais, Xav. Ouais, j'ai un petit crash. Ah oui, ouais. Ça arrête pas. Putain, mais c'est ah, pas vrai merde. Quoi. C'est infernal. C'est une dommage dingue, parce que j'étais un bon coworker. Ouais, t'étais très bon. Xav, je t'ai vu bien travailler, c'est pour ça que je t'ai dit dès le début. Non, en vrai, le jeu est cool. Hein. Tu as mis à Domingo dès le début. Moi, c'est bien. C'est pas mal. Sur des petites games, ce qui est juste chiant, c'est qu'à chaque fois, il y a des décos parce que c'est vrai que ça. Bah ouais, on a joué. C'est comme Xav, hein, quand même, j'ai l'impression. Parce que les gens me disent. Ouais, c'est que moi, ouais. Dans les autres streams et tout, ça avait pas l'air de. Bah non, ouais. Forcément bugué. C'est pas ton PC qui rend l'âme, non, mais non, pourtant. C'est juste Nucky. Après, j'ai des PC, le jeu est pas très costaud. C'est propre, mais je sais pas. Ouais, c'est. Les gars, c'est pas grave, le jeu ne me veut pas. Oh, ça me fait mal quand même. T'es un mauvais employé. Un bel employé comme ça, non, ça fait vraiment mal. Oh putain, ça fait mal. Tu devrais être janitor direct. Ouais. Non, mais en vrai, à refaire, les gars. Un petit 4, hein. J'avoue que. Ouais, le. Bah, très cool. Je pense en vrai, entre peut-être
7-9, tu vois, 9, ça doit être pas 8-9, ça peut être pas mal peut-être parce que ouais, du coup c'est un peu 10, pas mal. Ouais, allez, jusqu'à 10, jusqu'à 10. Jusqu'à 10, s'il te plaît. Un bon bordel à 10. Jusqu'à surtout sur cette map en fait, cette map elle est géniale par rapport à l'autre. Je suis d'accord. Pour moi c'est bah en fait le seul fait qu'il y ait pas d'étage, ça vraiment ça change tout quoi. Putain, l'autre map à 20, j'ose même pas l'imaginer. Ça doit tellement dur. Honnêtement, quand t'attends l'ascenseur là. T'attends l'ascenseur 8 fois, c'est plaisir. Mais avec des viewers, ouais, ça peut aussi, mais non, mais en vrai, sympa. J'avoue que ça fait plaisir. Faudra compter si vous voulez aussi, j'avais vu passer. Mais protocole lockdown, là. C'est quoi Oh. C'était un peu. C'est un genre d'Among Us en 3D, quoi. Ouais, je crois que c'était. Je voyais que les gens, parce qu'ils m'en parlaient en mode c'était bien et tout, mais si vous voulez, on s'organisera ça, un de ces 4. Ouais, jusqu'à 8. Ouais, donc c'est ça, donc c'est un peu moins et tout, mais. Oh, cool. Après, on peut faire un petit diamant, hein.